بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما l'ont rappelé mes deux frères, Hafidhahumullah. C'est toujours une joie de vous revoir hein, ici à Annecy, même si l'année passée on n'a pas eu l'occasion donc, de se voir, mais sinon, quand on voit depuis quelques années, ça fait quasi plus de 5 ans que je viens ici chez vous. Et effectivement, ce que vient de dire le frère Omer et l'autre frère Hafidhahumullah, rappelle-moi son prénom, Lakhanes. Hein, Jazahullah, c'est vrai que, et Allah en est témoin, je vous considère comme une seconde famille. Je me suis habitué maintenant à voir les frères. On a, entre guillemets, même grandi avec ce projet, puisque chaque année, à chaque fois que je viens, là où à cette mosquée, subhanallah, elle est de plus en plus illuminée. Et demandez-le toujours à ceux qui viennent de l'extérieur. Les habitués ne voient pas toujours, des fois, les bienfaits dans lesquels ils sont. Hein, il faut toujours demander à celui qui vient chez vous une fois par an. Et wallahi, elle est de plus en plus belle et la communauté s'agrandit de plus en plus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve aussi les autres associations et mosquées de la région. Et pour le peu de temps que j'ai, ici le but aujourd'hui, l'arda alikoum, c'est pas que je vais venir avec des nouvelles informations. Qu'on soit honnête, le mariage, ce sujet, le problème qu'on a avec ce sujet, c'est que on ne l'a pas pris dans notre vie habituelle comme on comprend la prière. T'as des gens, t'as des personnes, lorsque l'on parle de prière, son cœur se réveille directement. Il comprend. Même celui qui prie pas, wallahi. Dès que tu dis le mot prière, il comprend qu'il a affaire à un pilier de l'islam, c'est un acte d'adoration. Il y a un problème s'il n'est pas bien fait. Donc il est conscient. Mais lorsque tu parles du mot mariage, c'est devenu tellement habituel de parler de ce mot qu'on oublie que wallahi, ce mot est un acte d'adoration, shabab. C'est une ibada. Si on comprend rien que ce premier point, nos mariages, nos divorces seraient faits de la manière la plus musulmane qui soit, où on retrouverait le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à un point où même si le divorce est aussi un acte d'adoration, parce qu'il est dans le Coran et la Sunna, on ne s'approcherait de ce point-là que vraiment après avoir, subhanallah, fait des démarches incroyables. Pourquoi? Parce que Allah alaykoum, qui dit ibada, acte d'adoration, dit qu'on est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala premièrement. Deuxièmement, ça veut dire qu'on va être questionné le jour du jugement dernier. Il y a des gens qui vivent dans leur couple comme si, subhanallah, c'est une période dans la vie où il faut vivre à deux et on va être séparé soit par la mort, soit par le divorce. Mais tant qu'on est ensemble, on vit ensemble. On mange, on dort, on se reproduit, kada, et les choses avancent. Et on l'a déconnecté des actes d'adoration. Là, normalement, quelqu'un qui est marié en tant que musulman, chaque soir avant d'aller dormir, comme il se pose des questions par rapport à sa journée devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle a été bonne? Il se pose des questions par rapport à tous les actes qui ont fait cette journée, comme la prière, comme ce qui est sorti de sa bouche. Qu'est-ce qu'il a dit comme parole aujourd'hui? Des bonnes ou mauvaises paroles? Est-ce qu'il a jeûné? Et, virgule, en tant que marié, est-ce que sa vie de couple, aujourd'hui, s'il devait mourir et qu'il devait se rencontrer, lui et sa femme, ou bien la femme et son époux, parce qu'ici je parle, il y a les sœurs et les frères qui m'entendent, je ne vais pas tout le temps faire masculin-féminin, je parle au masculin, mais les sœurs, elles traduisent, alhamdoulilah, au féminin. Est-ce que si on se retrouve devant Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on va être, entre guillemets, capable de répondre au chapitre mariage en disant « Na'am ya Allah, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que cet acte d'adoration qui est dans le Coran et la Sunna, qui a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été mis en pratique par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses, que les compagnons ont mis en pratique, ridwallahu alayhim, est-ce que je l'ai mis en pratique comme il fallait ?» Voilà, wallahi ya les jeunes, si on comprend ce numéro 1, ce point 1, nos mariages changeraient beaucoup.
Alash, pourquoi? Parce que si tu veux, subhanallah, que ton couple tienne, il faudra la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce couple. Le romantisme, hein, ça va venir après. On va parler d'autre chose, hein, c'est bien dans le couple. Lakin, le ciment du couple, ce qui va tenir cette table, hein, c'est les pieds. Ce qui va tenir ton couple, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne et il reçoit plusieurs bénéfices. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala durant ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala te trouve des issues à tous tes problèmes. Alors pendant que tu es marié, tu es en train de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'adores, tu avances. Si tu as un petit problème durant ta vie de couple, mais tu es de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te trouve une issue ou pas? Ou Allah qui t'en trouve une? Il a donné sa parole. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Il a mis une condition. Si et seulement si. Si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala et craindre Allah subhanahu wa ta'ala, shabab, c'est de mettre ce qu'on appelle un genre de bouclier ou un mur entre toi et le mal. Entre toi et Satan. Tu n'approches pas. Tu ne vas pas chercher après le vice. Tu ne vas pas chercher après les choses qui vont faire que Satan, la'anaullah, il va trouver une porte pour entrer dans ta demeure. Nous, le problème, on vit une imitation d'islam. Vous le savez très très bien. On est des musulmans parce que le nom est musulman, parce qu'il y a de la prière pour un bon groupe, et vous savez très bien qu'un autre groupe ne prie pas, et un autre groupe n'est même pas au courant qu'il y a la prière. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et après on se demande, on se dit, tiens, comment se fait-il? Je suis marié, mais il n'y a pas de bonheur. Je suis marié, mais ça n'avance pas, ça ne marche pas. C'est la même chose. C'est les mêmes questions qu'Allah, et on se pose lorsque on prie, et que je ne ressens pas la prière. C'est vrai ou pas les jeunes? C'est les mêmes questions. Des fois on dit je prie, je ne ressens pas. Est-ce que ça veut dire parce que tu as prié que automatiquement tu vas ressentir quelque chose? Est-ce que parce que tu t'es marié qu'automatiquement tu vas être heureux? Eh bien ce automatiquement, il peut être présent. Mais c'est si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dépasse pas les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'il les dépasse, s'il les transgresse, il va se faire du mal. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala te prévient de nouveau. Regardez combien on a de versets qui nous préviennent. Et après on s'étonne qu'on vit mal. Donc il te dit وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cher frère et sœur, il t'interpelle, il t'appelle. Il te dit celui qui transgresse, dépasse. Dépasse quoi? يَتَعَدَّ quoi? حُدُودَ اللَّهِ. Les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis. Qu'est-ce qui se passe alors? Ah, c'est très drôle. En langue arabe, on te dit faqad. Ça, c'est une certitude, les jeunes. En arabe, quand vous entendez faqad ou bien qad, ça veut dire qu'il y a une certitude qui vient juste après. C'est-à-dire, ce qui va se passer après, tu vas l'avoir. Et c'est quoi? Zalama nafsah. Il aura fait du mal. Il aura été injuste envers qui? Lui-même. Nafsahu. Envers son âme. Troisièmement, la même chose de nouveau. Tu me dis, non, mais j'arrive pas à vivre heureux, j'arrive pas ceci, j'arrive pas cela. On va te dire que ça soit toi, ou bien l'épouse. Allez voir quelle est votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Où est la preuve de nouveau? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. C'est encore une autre partie. On va rester rien que dans la première partie. وَمَنْ أَعْرَضَ. De nouveau, on parle de ce croyant, ce musulman, celui qui normalement est censé suivre le chemin. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. C'est ce que ça veut dire, Yashabah. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé le rappel. Le Coran, la Sunna, tout est là. On a tous les moyens. Le mode d'emploi, il est là. Mais toi, أَعْرَضَ. Qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire, je te dis, va à droite, toi tu vas à gauche. Ce matin, donc, je suis arrivé à Annecy depuis hier. Et j'ai pris mon épouse avec pour la première fois, Mskina, donc c'est rare. Je suis venu visiter Annecy, parce que j'ai aimé la région. Chez nous, à Bruxelles, il n'y a pas de montagne, comme vous le savez. J'ai dit, on va aller voir les montagnes. Combien de fois le GPS, il dit, tournez à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on regarde la route comme ça, on se regarde. Prends à gauche. Tu l'entends? Tournez à droite. Encore un peu, il va dire, s'il te plaît. Allah rahmatullahi wa sallam, tourne à droite. S'il te plaît, prends. Là, l'être humain, il est incroyable. Même les machines, on ne les écoute plus. Ça veut dire qu'il y a des satellites, il y a des millions de dollars qui ont été mis. Le type a dit, tourne à droite, quoi que tu lui dis. Ah, les gars, viens, on va à la gauche. Et tu vas à gauche pendant 2 heures.
T'arrives, tu trouves une impasse, il y a un mur. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est rien, on a fait un tour. Et on revient. De nouveau 2 heures, à 4 heures de perdu. Bon, ça on peut rigoler entre nous, parce que c'est un petit voyage. Et entre guillemets, cette petite perte-là de temps, entre guillemets, on va se dire, mais on était en mode voyage. À l'aise. Mais dans une vie de couple, 4 ans de perdu, 5 ans de perdu, 10 ans, qu'est-ce que tu diras le jour du jugement dernier ? Est-ce que tu vas dire, non, c'était un petit test, on a fait 4 ans de mariage, ça n'a rien donné ? Je le vois, c'est 25 ans que je m'occupe des problèmes de couple, conférences, cada, ceci, cela, et 15 ans, rien que de bureau. Et je vous l'ai déjà dit à les anciens qui me connaissent ici. Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, wallahi. Seulement les dernières années, à 16h, j'arrêtais. Toute la journée, des patients assis dans la salle d'attente. Et vous croyez qu'ils sont venus tous, pourquoi ? Pour me poser des questions sur comment on prie ? Là, tous divorcent. Wallahi al-adim. Tous divorcent. C'est-à-dire, s'il y en a 10 assis, c'est 10 pour le divorce. Et quand tu commences à discuter avec eux, wallahi, les versets que je viens de vous dire, ils sortent. Soit un groupe qui vit dans le haram, soit il n'y a pas de programme religieux, soit les deux vivent d'une manière opposée religieusement, mais incroyable, soit. C'est-à-dire le religieux, il n'est pas présent. Et vous voulez absolument qu'on ait une vie de couple comme il se doit, alors que comme il est connu dans le Bukhari, et vous le savez, que Satan, anallah, qui a son trône sur l'eau, et je résume la tradition, à chaque fois il y a un shaitan qui vient. Chaque fois un Satan vient chez lui et lui explique qu'est-ce qu'il a fait avec un couple. Et en résumé, il lui fait comprendre, je les ai juste séparés. C'est-à-dire, je les ai embêtés, je les ai collés. Ils se sont juste séparés. Il lui dit, t'as rien fait. Comme pour dire, tu ne m'intéresses pas. Mais quand le second, il lui dit, je les ai collés, jusqu'à ce qu'ils se sont divorcés, là, c'est bon, toi, t'es le meilleur. Ah, toi, t'es bon. Pourquoi ? Pourquoi ça a été cité ? Parce que c'est un acte d'adoration. Et il est dans le Coran et la Sunna. Et alors à ce moment-là, on revient au verset, le dernier que j'ai cité. Eh bien, effectivement, Shabab, si ce mariage qui est un acte d'adoration, et Allah subhanahu wa ta'ala te l'a rappelé, et il te dit, وَمَنَا عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ, dans son rappel, il t'a dit, fais attention, vis de telle et telle manière. Parce que dans beaucoup de versets dans le Coran, on voit comment est-ce qu'un musulman, normalement, est censé vivre dans sa vie de couple. Comment une musulmane est censée vivre dans sa vie de couple. Et toi, tu ne veux pas vivre de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il te dit, Allah subhanahu wa ta'ala ? De nouveau, il emploie, Allah subhanahu wa ta'ala, une particule en langue arabe très dangereuse. Il te dit, « fa'inna, inna » en langue arabe, quand vous l'entendez, quand l'imam lit, « inna », ça veut dire que ce qui va suivre après, de nouveau, ça veut dire que c'est sûr et certain. Voilà. « Fa'inna lahu » cette personne-là, celui qui n'a pas voulu continuer à suivre le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a ?« Fa'inna lahu ma'ishatan dhanka » Ça veut dire qu'il va vivre une vie remplie de problèmes. Il va vivre dans les soucis. Il va vivre avec une poitrine oppressée, avec des angoisses. Alors que, subhanallah, maintenant on va voir à l'inverse. Celui qui a compris qu'est-ce que le mariage, et revenait toujours vers la sourate les Romains, sourate al-Rum, là il te dit, وَمِنْ آيَاتِهِ Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre que c'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les jeunes, il y a ceux qui se lancent, même ceux qui sont mariés. Ici, c'est un conseil pour ceux qui ne sont pas encore mariés, et c'est un conseil pour ceux qui sont mariés. Ils doivent se rappeler ces principes. Comme on aime bien de temps en temps réécouter des conférences sur la foi, dans le domaine de l'aqida, le dogme et autres, dans la biographie ou zidouzi, il faut réécouter. Pour ça, il y a des jeunes, c'est normal à mon âge, des fois, soit je patiente avec eux ou pas. Des fois, dès que tu mets un titre sur le mariage ou comment préserver un couple, il te dit, oh, de nouveau une conférence sur le mariage. Est-ce que quand je te mets une sur la prière, tu mets de nouveau la prière ? Hein ? C'est un acte d'adoration comme les autres. Et Satan, Allah, il a remarqué que justement, on l'a mal compris. Et c'est pour cela qu'on est rentré dans les statistiques. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver ? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. Voilà, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Sa manière de vivre. Wallah, mais il est heureux. Et c'est incroyable, le paradoxe, il est incroyable, parce que juste avant d'être installé à la maison, quand vous avez remarqué deux personnes qui font un acte religieux pour se marier, ah, ils sont incroyables, les plus grands amoureux de la Terre. Je parie, ils font tout le lac d'Ansiyak chez vous ici, j'ai vu les pédalos et compagnie, c'est des kilomètres le tour, hein. Et ils doivent connaître, vous avez beaucoup plus que nous, vous avez des montagnes, des heures de marche. Et ils s'aiment, c'est incroyable, des textos, tout ce que tu veux, et une fois installé après quelques mois, c'est quoi ? Nos anciens, ils disaient, dès qu'on se marie, ça s'appelle le mois du miel. Shahrul Asal. Et il te dit, après un mois, c'est Shahr al-Basal,
le mois des oignons. C'est-à-dire les pleurs commencent. Et là, les plaintes commencent. Et là, on entend des drôles de phrases. « Ah, mais c'est pas lui avec qui je me suis marié, c'est pas lui que j'ai connu. Normalement, il n'était pas comme ça, elle n'était pas ceci, il n'était pas cela. » Et on aurait dit qu'il y a deux personnes, subhanallah, qui se sont fait, entre guillemets, arnaquer l'un l'autre. Et on parle de deux musulmans. On parle de deux musulmans. Où est la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Où est-ce qu'elle est, Shabab? C'est pour cela que Allah, rada alaikum, je le dis même à ceux qui ne sont pas encore mariés, et même à ceux qui sont mariés, mais d'abord ceux qui ne sont pas encore mariés, quand tu veux te marier, regarde d'abord ta relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui es-tu? Qui es-tu au juste? Il y a le frère et la sœur. Est-ce que tu es un vrai musulman comme il se doit? Parce que le verset que j'ai entamé dans Sourate Ar-Rum, wa min ayatihi, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, wallahi, tu dois avoir peur. Tu dois t'arrêter et te dire, Allahu Akbar, je vais me lancer dans un nouvel acte d'adoration. Si on devait fermer les yeux, c'est comme si on a une liste d'actes d'adoration durant notre vie. Prière, hein, Ramadan arrive, le jeûne arrive, hein, dans quelques semaines. Eh bien, on a l'âge de prier, de jeûner. On va rentrer dans le jeûne. On commence à travailler, on a de l'argent. On va rentrer dans az-zakat. Eh bien, quand on arrive à un certain âge, on rentre aussi dans le mariage. Non, nous, on l'a mis à part dans une autre liste. C'est les passe-temps. C'est l'amusement, les sorties, kadal. Non. Il est dans le même groupe. Question-réponse le jour du jugement dernier. Et wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous des épouses. Et subhanallah, le mot qui est employé très souvent, c'est comme si on parle de sakan, l'habitation. Normalement, un vrai couple, quand l'homme, par exemple, je prends un couple basique, Aïda, quand l'homme entre de l'extérieur, il vient du travail, l'endroit où il va se trouver le plus apaisé après la mosquée, on l'a oublié la mosquée, hein, yak. Après la mosquée, vous savez c'est lequel? C'est avec son épouse chez lui à la maison. Non, nous aujourd'hui, on a le style où la femme, dès qu'il est 4 heures, elle se dit « A'udhu billah ». Il y a le ninja qui arrive là. Il y a le rôle. Et l'homme, à haut de certains, dès qu'il est 4 heures et qu'il termine le travail, il va chez le chef. Il n'y a pas moyen de rajouter une heure. Il n'y a pas moyen de faire l'équipe de nuit même. Allahu Akbar. Et dans le Coran, dans la sourate les Romains, wa min ayatihi. Allahu Akbar. Regardez où est-ce qu'on est descendu, très très bas. On ne devrait pas nous retrouver dans les statistiques. Wallahi al-Adim. C'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, de pouvoir être marié plus tard. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا virgule. Et qu'est-ce qu'il y a après? قَلُكْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ. Ah, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient que wallah, s'il n'y a pas ces ingrédients entre nous, ça ne va pas marcher. Et ce qui est drôle, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité deux mots, et même ces deux mots, ils ont un choix, ils ont une utilité incroyable. C'est pas n'importe lesquels. Il a dit wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. En français, en général, dans les Corans français, vous trouvez mawadda, bonté, rahma, clémence. Mais ceux qui connaissent un petit peu l'arabe, vous avez remarqué qu'il n'a pas dit wa ja'ala baynakum mahabbatan. Il n'a pas parlé du mot amour. Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le mot amour existe chez nous en islam, ne croyez pas que c'est un mot choumal, tabou, manque de pudeur, non, puisque dans un hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala va même appeler les gens qui se sont aimés, le jour du jugement dernier, il va appeler ceux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dira, Aïna al-mutahabouna bi jalali, al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. C'est-à-dire ceux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, le jour où le soleil sera très très proche de nous, où on attend qu'Allah subhanahu wa ta'ala proclame le jugement, l'heure du jugement, il va offrir un cadeau incroyable à certaines personnes, pas à tout le monde. Il va demander à un groupe de personnes de venir sous l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont ces gens-là? Ya Allah, al-mutahabouna bi jalali, ceux qui se sont aimés pour ma grandeur. Tout subhanallah. Donc le mot mahabba, on l'a, mais pour le mariage, c'est incroyable. Il n'a pas dit « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَحَبَّةً ». Là, parce que chez les savants, on nous dit que les degrés d'amour chez nous en islam, il y en a plusieurs. Ibrahim, alayhi salam, il était « Khalil » ou « Ar-Rahman ». C'est-à-dire, nous, on a des termes « Wallah » est encore plus fort que le mot « amour » en langue arabe. Et c'est pour ça que dans le couple, il a dit « Mawadda ». Parce que l'amour, des fois, ça peut être quelque chose, entre guillemets, de basique qui peut venir et qui peut rester pour un laps de temps.
et qui peut disparaître. La preuve, ceux qui sont mariés, qui ont encore des parents mariés très âgés, est-ce que le mot amour, il a la même définition quand tu es marié à 25 ans et quand tu as 70 ans? Dites-moi, est-ce que c'est la même chose? On le voit avec nos parents qui sont très très âgés. C'est une autre manière de vivre cet amour, subhanallah. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il demande qu'il y ait cette mawadda, c'est parce que ça pousse le croyant à aller beaucoup plus loin. Et il a rajouté ar-rahma. C'est ce qui nous manque entre nous. Ar-rahma, en vérité, la clémence, wallahi, elle manque dans la vie de couple et elle manque entre musulmans. Souvent, vous avez remarqué, on n'a pas de pitié entre nous. Prenez un cas quand il y a un groupe de jeunes. S'il y a un jeune, mashallah, qui prie tout le temps à la mosquée, demain, il te fait le fou. Tu le vois en short à Annecy, là, sur le lac. T'as deux styles de personnes. T'as un groupe qui va dire Allahu Akbar. Ça, c'est notre frère, subhanallah. Il était avec nous tout le temps depuis des années. Les sœurs, elles traduisent ça au féminin. Et ça, c'est un frère, mashallah. On ne va pas le perdre. Il y avait du bon en lui. On va le récupérer. Bismillah. Même si on ne le connaissait pas en vérité. Hein. Je vous donne un exemple pour vous montrer les coups tordus dans lesquels on est des fois. Et à ce moment-là, subhanallah, qu'est-ce qu'on fait? On va vers lui. Et à frère, on t'aime en Allah. On est touché par ce qui se passe. Kada. On est prêt à t'aider. Bismillah. Kada. Ou bien il y a un autre groupe qui va dire, hein, je vous l'avais dit que c'était un tordu, je reste poli, hein. Je vous l'avais dit que c'était un hypocrite. Je le savais, je le sentais, il y a même ceux qui sentent. Il y a des gens, ils sont assis avec vous maintenant, mais ils vous sentent depuis des années. Et ils sentent que dans 10 ans, vous allez faire quelque chose de tordu. Je le sentais. Eh bien, la vie de couple, c'est la même chose. Il y a des personnes qui ont tout axé que sur ce qu'on appelle le mot amour. Et le jour où il y a un petit problème dans le couple, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Il déteste directement l'autre et il met une croix sur le mot mariage. Parce qu'il y a des personnes encore aujourd'hui qui pensent que le mariage, c'est se marier sans qu'il n'y ait aucun problème durant la vie, sans qu'il n'y ait de haut ni de bas. Il y en a même qui pensent qu'il y a dans le mariage que des hauts. Il y en a qui pensent que s'il n'y a que des bas pendant une petite période, ça veut dire que c'est un mariage qui est foutu. Et ça veut dire, et virgule, et chacun y met sa définition. Là, même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il y a eu des hauts et des bas, sahoulala les jeunes. Wallah, il y a eu des hauts et des bas. Même entre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses épouses, parce qu'on est en train de parler d'être humain. Deuxième notion. Et là, on va parler de certaines choses qui touchent l'être humain. Donc, rappelez-vous le mot que j'ai cité juste avant, hein, ar-rahma, la clémence. Je reviens, pourquoi? Parce que wallahi, comme le temps est court, si rien que ces deux infos, elles entrent dans notre tête, je pense, et narjoullah subhanahu wa ta'ala thabat wal qaboul, que peut-être ce soir, certains qui sont dans les polémiques vont peut-être ouvrir les yeux et vont peut-être dire, a'oudou billah, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Homme ou femme? Donc le mawadda, ne pensez pas que c'est tout simplement de l'amour à l'état brut, là, abadan, c'est une grave erreur de le penser. Mais c'est d'essayer de trouver un tas de moyens pour que le lien reste entre toi et l'épouse. Et ar-rahma, la clémence, ça veut dire qu'il y aura des erreurs. Ne sois pas de ceux qui vont juger à la seconde, comme l'exemple que je viens de donner il y a quelques instants, avec quelqu'un qui tombe dans un égarement. Ta femme va se tromper, elle va se tromper peut-être 100 fois. Et toi, la sœur, ton mari va se tromper, il va peut-être se tromper 100 fois. C'est comme ça la vie, et on avance. À part quand on arrive dans les cas extrêmes, là, alors on passe à des médiations privées, on voit l'imam, le khoudja, on discute, kada, et on avance étape par étape. Et le divorce, alors en vérité, où est-ce qu'il est le divorce? Je suis monté tout à l'heure là, c'était quoi le Senmoz? Comment il s'appelle? Senmoz. Je suis monté Senmoz. À 17 km de... C'est quand tu habites en ville, c'est que des lignes droitières. À 17 km kada. Ouais, c'est ça le divorce. Le divorce, tu mets Senmoz. 17 ans... où tu patientes et tu tournes, tu reviens, tu tournes. Des fois, tu vas presque rater le virage et tu reviens. Tu le laisses loin, loin, loin. Non, nous, aujourd'hui, c'est la première étape. Dès qu'il y a un problème, wallah, je t'en vais, je t'en mets. Parle encore un mot et tu vas voir. Ça prend 10 secondes. On croit que c'est le mariage, avec ce beau verset dans la sourate les Romains, on croit que c'est tout doit être bien. Attention, pas de stress. Faut pas que ça, il y a un petit dossier qui nous énerve. Faut pas que, là. Grave erreur. Celui qui le pense maintenant alors que je vous parle, wallah, et qui va revoir le sujet. Tu vas vivre mal durant ta vie. Mais si tu pars sur le fait que l'être humain, c'est quelqu'un, comme l'a dit le prophète, qui commet des erreurs, kullu bani adam khata, wallah, ya shabab, ça prouve qu'on ne lit pas la sunna. Et ça prouve aussi que si on la lit, on ne la comprend pas. Ou bien on est orgueilleux.
Ça, c'est un autre problème. Ah, le prophète sallam m'a prévenu, il y a plus de 1400 ans, il a dit tout fils d'Adam, sans exception. En langue arabe, quand tu dis kullu bani Adam, khata, tout fils d'Adam, il n'y a pas d'exception. Sauf ce que les savants, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous expliquer. Et là, on a affaire à qui? Au prophète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de prophète après moi. Ça, c'est au cas où quelqu'un oserait lever la main à un nouveau prophète, je ne sais pas s'il y en a un ici, ça m'étonnerait. Hein, il n'y a pas, alhamdoulilah, tranquille. Non, au cas où il y en a un qui dirait, non, moi c'est l'infaillible. Ah, moi c'est l'infaillible à l'état pur. À celui-là, il faut aller l'attacher en forêt une bonne petite semaine. Je suis monté en haut, il fait froid, hein, wallahi. 23 en bas, et là-bas, oh, j'ai dû remettre la veste. Il faut le monter là-bas, 3-4 jours. Et il va revenir sur plat. Ya Ikhwan, on est des fois dans des rêves incroyables ou des cauchemars même. Les erreurs, ça va être humain. Ça va être présent. Mais le prophète Asmis qui s'est arrêté là directement, non. Il a dit, mais les meilleurs. Allahu Akbar, regardez quelle belle religion. C'est-à-dire, même dans ceux qui font des erreurs, on peut en tirer des meilleurs. C'est qui ces gens-là? C'est ceux qui se repentent. Donc normalement, un vrai musulman, une vraie musulmane, dans sa vie de couple, qu'on soit honnête, il y a les jeunes, maintenant on se comprend. T'as fait une erreur, qu'est-ce que tu fais? La première démarche, tu demandes pardon à qui? Dites-moi à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es quelqu'un qui fonctionne de cette manière, est-ce que tu pourrais être mauvais dans ta vie de couple? Sincèrement, tu pourrais être mauvais. Non. Si c'est le cas, c'est que tu dois aller voir un peu en psychiatrie ou même pas la psychologie. C'est la psychiatrie. C'est que tu sais même plus ce que tu fais. Et ça, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala alors t'excuse. Parce que quelqu'un qui pense qu'on doit être entre guillemets bien envers Allah subhanahu wa ta'ala et mauvais envers les êtres humains, c'est qu'il a un problème. Je ne sais pas d'où il tire la règle alors. Alors si on est d'accord rien que sur ce point de nouveau, quel est l'état de nos couples aujourd'hui? Vous avez compris pourquoi le point 1, très très important, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui craint Allah, il ne dépasse pas les limites, il y a les jeunes. Celui qui craint Allah, une fois qu'il est marié, il ne fait pas de mal à l'autre. Wallah, il a peur de faire du mal. Et aujourd'hui, je m'excuse, hein. On a des gens, quand tu es quelqu'un qui fait son possible pour ne pas faire de mal dans ton couple, tu as des gens qui t'appellent, par exemple, chez les Maghrébins, on dit que tu es un shemata. Un shemata, ça existe en langue arabe, hein, c'est un mot qui vient de la langue arabe. Un shemata, c'est une imitation, ça dit le type, c'est pas un homme. Tu dois montrer que. Et nos professeurs, qu'Allah les agrée, hein, c'est qui? C'est les compagnons d'Allah alayhim qui ont mis en pratique. Le premier, on l'a dit tout à l'heure, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nos grands professeurs qui ont testé pour la première fois de leur vie tout ce message, c'est qui? C'est les compagnons d'Allah alayhim. Et allez voir comment ils étaient avec leurs épouses. Les premiers professeurs, c'était aussi qui? Nos mères. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez voir comment elles étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles pouvaient des fois entre guillemets être jalouses, comme Aïcha radiallahu anha, on va le voir après. Un jour notre mère a tous Aïcha radiallahu anha. Elle a été jalouse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a divorcé directement? Est-ce qu'il a dit moi qui est prophète, qui reçoit la révélation, qui s'occupe de toute la communauté musulmane, qui doit s'occuper des hypocrites, qui doit s'occuper des polythéistes, et toi tu me fais des crises de jalousie? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, wallah, il a pas fait cela. Wallah, il a souri et il a commencé à dire à voix haute, gharat ummukum, gharat ummukum. Ça dit, regardez, votre mère est jalouse, votre mère est jalouse, en souriant. Vous dire, tu vois, regarde ce qu'elle vient de faire. Hada le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bi abi huwa wa ummi, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on est, nous, par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, nous, ya shabab, wallah, on est quelque chose. Qu'est-ce qu'on est? On est ceux qui mettons en pratique ce qu'il a enseigné. Parce qu'il a dit dans une autre tradition authentique, alaykum bi sunnati. Je dis que le début de la tradition. Alaykum bi sunnati, vous devez suivre ma sunna. On doit, c'est un ordre. Et ça, je l'ai remarqué quand je fais les médiations de couple, quand les gens viennent devant, 90%, il n'y a pas de sunna. Personne ne veut revenir à cette sunna. Comment a fonctionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne. Alors comment voulez-vous qu'on vive cette vie de couple? Voilà, ça c'est la première équation. Et wallahi, si on se comprend, ça ira mieux. Comment tu veux vivre cette vie de couple? Tu veux la vivre d'après les séries qu'il y a à la télévision? Vas-y, continue à regarder. Regarde, t'as droit au mur. Continue à rêver, là, à faire des cauchemars et tout. Voilà.
tu veux la vivre d'après un tel qui s'est marié, soi-disant, au quartier, qui vit bien, je ne sais pas quoi, continue à le suivre, tu vas voir. Il y a beaucoup de chez nous hein, qui ne vivent que d'après les on dit et les on vu. C'est-à-dire, ils voient des trucs à l'extérieur. Mais ce n'est pas qu'à l'intérieur, lui aussi, il a des problèmes. Et que même s'il n'en aura pas, est-ce qu'on t'a demandé de te calquer sur lui? Parce que c'est ce qu'on me dit souvent quand on vient chez moi. On me dit, oui, mais il y a telle famille, ils vivent bien. Oui, mais il y a un tel, je l'ai vu, il s'est marié, il est bien. Qui t'a dit ça? Et même si jamais il est bien, prends de lui alors ce qui est bien. Et est-ce qu'on t'a demandé de continuer toute ta vie à regarder ce que les autres font? Non, parce que le jour du mois dernier, dans ta tombe, tu vas être seul. Tu vas être seul. Et tu vas répondre aux questions seul. Ton voisin ne va pas venir t'aider. Ni ta femme, ni tes enfants, personne. Et le jour du mois dernier, encore pire, toute ta famille va te nier ce jour-là. Wallahi, personne ne viendra t'aider. Et même toi, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yafirru al-mar'u, même toi, wallahi, tu vas déguerpir le jour du jugement dernier devant ta mère qui va venir chez toi te dire, mon fils, donne-moi une hasana. Wallahi, ma, tu vas la donner. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Tu vas pas l'aider. Tu vas partir. Donc arrêtez de regarder les autres. Fonctionnez d'après votre vie à vous. On n'est pas là pour se calquer par rapport aux autres, ya shabab. Alors maintenant, pour aller dans la pratique, et il reste maximum 25 minutes, parce qu'aujourd'hui, ils m'ont juste invité pour un petit rappel. D'habitude, quand on vient, c'est beaucoup plus long, mais ici, c'était pour profiter de la kermesse et de faire ce petit rappel. Je vais vous donner quelques points que si, incha'Allah, on l'espère, bi'idnillah, c'est des points qui sont dans la religion. Hein, vous croyez que je suis venu inventer des points? Ils sont dans la religion. Si on les met en pratique, s'ils se retrouvent dans notre vie de couple, à un gros pourcent, alhamdoulilah, wallah, les choses iront mieux. Alors le premier point, Allah rda alikoum, très important, après la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le respect. Vous savez, le respect, ya shabab, demande pas d'insultes, pas de mots rabaissants, pas de rejet, pas de regard haineux, sourire. Il va venir dans deux chapitres, le respect. Nous, le problème, on pense que le respect, c'est quoi? Excusez-moi, il ne faut pas mal le prendre, hein, parce que c'est ce qui revient très souvent dans les mails, les discussions que j'ai eues pendant plus de 15 ans. Le respect, c'est quoi? Quand j'ai des fois un homme et une femme devant moi, quand je leur demande qu'est-ce qui se passe, elles ne me respectent pas. Vous savez pourquoi elles ne respectent pas? Quand je lui dis on sort à 8h, elle vient à 9h. Voilà, donc des histoires de rendez-vous, des demandes qui ne sont pas écoutées. Après, tu as un deuxième groupe, c'est quoi le respect? Les insultes. On a des jeunes qui se marient, et wallahi, comme ils parlaient au quartier, ils parlent à la maison. Je vous donne un simple mot que vous connaissez tous, le mot « dégage ». Vous connaissez? Tout le monde connaît ce mot « dégage ». Ça veut dire quoi? Il va faire un tour au parc. Ça veut dire « retourne-toi et cours ». Même en islam, normalement, entre musulmans, et on ne se dit pas ce mot-là, c'est vrai ou pas? Mais les jeunes, ils ont adopté ce mot. En Europe, on a adopté ce mot. Dégage. Dès qu'un, il s'énerve et tout, tu sais quoi, dégage, dégage. C'est même devenu un mot très simple, c'est vrai ou pas? C'est plus comme avant, très lourd. Entre copains, c'est devenu un mot genre, ça va, hein, yallah. Et une fois marié, si déjà nos professeurs te disent que entre hommes, entre musulmans, tu dis pas à un musulman, dégage. Wallahi, ça se dit pas. À ta femme, tu lui dis dégage? Et la femme, elle dit à son mari, dégage? Deuxième, il y a des manques de respect avec des phrases qui sont en français bien formulées. Mais wallah, c'est des phrases qui manquent de respect. Alors que c'est un bon français. La phrase la plus simple, vous savez, c'est laquelle? On ne me parle pas. Pas me parler. Faut pas me parler. Il ne faut pas me parler. Pour un prof de français, c'est une phrase à l'aise ou pas? Il ne faut pas me parler. Un déterminant, un verbe, cadavre, charin, tout est là, il ne faut pas me parler. Ça se dit dans le couple. Je vois des têtes, il y en a qui me font non. Mais ouais, ça c'est maintenant parce qu'on est Allahu Akbar. Et dans la réalité, ça se dit. Ouais. Tu as commencé à discuter, j'aime pas ta discussion, faut pas me parler. Genre, faut pas me parler, c'est ça sous-entend que ça soit la femme qui le dit ou l'homme. À partir de cette seconde-ci, pour moi, t'existes pas, faut même pas parler. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des cris, c'est des bruits, c'est des sons. Faut pas me parler, je t'écoute pas.
Je te reconnais pas. Tout ce que tu racontes là, je te reconnais pas. Allah aoun, vas-y. On a deux solutions. Soit on a oublié que quand on s'est marié, on n'est pas avec un copain. Il y en a qui oublient ça. Il y en a, ils ont grandi avec des copains. Et quand ils se marient, c'est comme s'il a rajouté au copain sa femme. Donc il y a les copains et il y a sa femme. Donc sa manière de parler, en rue, au travail, il la garde aussi à la maison. Et les femmes ont la même chose. Certaines, la manière de parler avec ses copines ou ses sœurs, elle va reproduire la même chose ou ça à la maison. Tu viens, tu discutes, non, il ne faut pas me parler. Vous connaissez aussi tous, ne me casse pas la tête. C'est drôle, ça y est. Me casse pas la tête. Mais sachez que chez nous, en islam, c'est un manque de respect. On ne parle pas comme ça, wallahi. Allez voir dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je vous défie de sortir un texte où il ne me parle pas, casse pas la tête, dégage. On n'a pas. Alors on prend ça d'où? Et je ne suis pas là pour vous choquer, j'en ai eu devant moi. Vous savez, là où je travaille, où j'ai travaillé, parce que maintenant j'ai gardé que le côté de da'wah, prédication, donc dans le centre islamique où j'ai passé mes quinzaines d'années, là, avec l'école en bas, puis après au bureau, on a des gens devant moi qui viennent pour des médiations. Et au premier étage, c'est comme ça, c'est une grande salle de prière. Le centre, il est très circulaire. Donc on a les bureaux et au-dessus, c'est la salle de prière. Et wallahi, devant moi, ils insultent. Mais des mots que je ne peux pas vous dire ici, parce que c'est une mosquée. Et même si ça aurait été pas une mosquée, je ne peux pas vous les dire. C'est des mots, wallahi, très très lourds. Un qui dit ça à l'autre, et puis la femme, elle lui répond, l'autre, elle lui répond. Des insultes. C'est une parenthèse, ya shabab. Petite parenthèse. Je dis souvent à des jeunes qui viennent chez moi me demander des conseils avant de se marier, ils me disent, ouais, monsieur Haddash, il n'y a pas quelques conseils. Je lui dis, tu sais quoi? Après, le côté religieux, crainte d'Allah, kada et tout, je leur dis, les gars, revois ta manière d'homme. Revois tes manières d'homme là. Maintenant, t'es encore un jeune homme. T'es avec tes copains et tout. Revois tes manières. Est-ce que t'as facile à insulter? Il y en a qui me l'avouent, ils me disent oui. Je dis, wallah, fais attention. Je dis, parce que wallah, normalement, la faute, elle est à tes parents. Au tout début, quand t'étais petit, ils devaient t'apprendre. Depuis tout petit, les insultes ne sortent pas de la bouche. Ils peuvent pas sortir de la bouche. Vous savez pourquoi? Parce que si vous habituez, vous laissez votre enfant à insulter, puis vous me dites non, mais il est petit. Ça, il y a des mamans, elles sont très gentilles. Le petit sort une petite insulte. Non, mais allez, il est petit. Oh, mon fils, c'est un disque dur. Il est incroyable. Il retient tout. Non, tu peux pas. Stop, arrête-le. Assis-toi avec lui. Parle avec lui. Explique-lui. Vous savez pourquoi? Un cerveau, une langue, un cœur qui s'habitue avec ces mots-là, ça devient comme une drogue. Plus tard, il aura du mal à les retenir. Alors, des fois, même s'il dit ce mot-là à son propre frère à la maison, et des fois, c'est blessant. C'est vrai ou pas? C'est blessant. Que penser le jour où il va le dire à sa femme? Et les sœurs, s'il vous plaît, vous traduisez au féminin. Que penser? Si ce mot-là, tu le dis à ton frère, tu vas le blesser. Et tu vas voir ton frère, il ne va pas te parler peut-être deux semaines. Et ta femme, si tu lui dis ce mot. Eh bien, un des points qui a fait que des fois les couples ne tiennent pas, manque de respect. Et le manque de respect peut être, wallah, des fois même par rapport au physique, par rapport à la manière de parler. Manque de respect, ça ne veut pas dire que chez nous, il y a des jeunes qui pensent que tout ce que tu penses, tu le dis. On ne peut pas. Le couple, wallahi, c'est parce que c'est des mots qui sont nouveaux, mais le couple, c'est beaucoup de psychologie. Il se peut que tu vas être énervé sur quelque chose. Et là, mon ami, on va voir alors tous les sujets que tu as étudiés là, depuis que tu es tout jeune. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'énerve? Qu'est-ce que tu connais comme invocation? Es-tu capable d'aller faire deux petites rak'a? Va faire des petites ablutions. On ne rattache pas l'un avec l'autre. Vous savez bien qu'il y a toute une divergence sur le fait, est-ce que l'eau, quand on va faire les ablutions, donc ça diminue le feu qui est la colère. Non, je ne rentre même pas dans ce domaine-là. Vous savez très très bien. Moi, je reste sur le système de la sunna où on a tout à fait le droit, dans certaines heures de la journée, d'aller faire les ablutions. Il n'y a aucun problème. Va faire les ablutions. Et après tes ablutions, tu fais deux rak'a qui sont rattachées aux ablutions. Et normalement, si la femme respecte, parce qu'ici je donne l'exemple, les hommes sont en face de moi, normalement à ce moment-là, si toi tu sens que t'es énervé, tu vas te lever du salon et tu vas vers la salle de bain, tu fais des ablutions, il faudrait que notre sœur,
ne va pas suivre le mari jusqu'à la toilette, purée. Il y en a qui le suivent jusqu'à la toilette. Assort, je dois te parler. Mais non. Ou bien des fois la sœur Mskina, elle va s'énerver, elle va se lever calmement, elle va aller vers la salle de bain. Et le mari qui va venir, zdev, sort. Mais non, on doit tout arranger. Non. Tu ouvres la beauté de la sunna. Vas-y, va. Change de coin. Change d'endroit. Ça, wallahi, à l'heure où je vous parle, ça fait 15 ans que je raconte ça dans les conférences. Wallahi, encore aujourd'hui, beaucoup de familles ne veulent pas comprendre. Énervées, tout le monde veut tout arranger directement. Alors qu'on sait qu'un petit manque de respect, ça peut aller loin. Mais le musulman est celui qui n'est pas fort parce qu'il va venir, et, comme l'a dit le prophète sallam, être capable de te prendre, de te plier en deux. Là, ça, c'est pas le fort. Le fort, c'est celui qui se retient, alors qu'il a la force. Allahu Akbar. Ça, c'est le vrai homme chez nous en islam. Vous savez, nous, aujourd'hui, les jeunes, hein, qu'on soit maghrébin, turc et autres, on est chaud. Moi, je suis enseignant dans les collèges et lycées. Hein, j'ai plein d'élèves turcs et maghrébins. Hein, les frères turcs d'Emirda, hein, je connais maintenant par cœur Emirda. Je peux même voir le plan d'Emirda. Et les frères maghrébins, Aoud. C'est connu chez nous, il y a des maghrébins ici. Hein. Un, il dit, moi, je suis un Algérien, moi, je rentre dans les murs. L'autre, il dit, moi, je suis un Marocain, je vais au-dessus des murs. Et chacun, il me sort la manière comment il... Mais je dis, ah, frère, je dis, wallah, tu gagnes rien. Non, il n'y a pas, M. Haddash, faut montrer. Je dis, non, wallah, mon frère. Je dis, ça va te mener à ta perte. Ça, tu vois, ça, je lui dis. Ça, c'est le jour où il faut absolument que tu sois là. Inch'Allah, on espère que tu seras là. Mais maintenant, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, on a juste besoin de ton calme, ta sérénité. Le vrai fort, c'est celui qui retient sa bouche. Ou sinon, wallah, il le manque de respect. Vous savez ce qu'il va amener? Tu vas sortir un mot que tu vas regretter toute ta vie. Combien de couples se sont remis après une dispute, mais la blessure, elle est restée. C'est vrai ou pas? Elle est restée des années. Et c'est là que l'être humain, il se dit, wallah, je regrette, j'aurais dû fermer ma bouche. J'aurais dû me taire. De quoi t'as l'air s'il y a une dispute entre vous deux et que tu sors un mot grave vis-à-vis de ta femme ou vis-à-vis de ton mari? De quoi tu as l'air après? Une fois que Satan est arrivé à ce qu'il voulait. T'as insulté, c'est ce qu'il fait Satan. Une pirouette arrière direct sur place. Il se dit, celui-là, je l'ai eu. Il est coulé. Suivant. Allez, hop. Allah, il a gagné. Les anges ont noté. Qu'est-ce qui se passe? Quand il te largue, l'âme, le cœur se rapaise. On revient ou on redevient normal. C'est là que le regret il vient. Tu vois, adou Allah, Satan, l'ennemi d'Allah, comment il fonctionne avec nous? Il n'a aucun pouvoir et vous le savez. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa parole. Inna, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Sûr et certain. Qui ça? Ibadi, mes serviteurs, ça veut dire serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa laka alayhim sultan. Allah parle à Satan et lui dit wallahi mes serviteurs, parce que Satan avait juré. Il a dit Allah, je vais les égarer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit mes serviteurs, wallahi tu n'auras aucun pouvoir vis-à-vis d'eux. Laysa laka alayhim sultan. Ah, le sultan. Il n'y a pas. Et en vérité, aujourd'hui, il a un pouvoir ou pas? On lui a donné le pouvoir. Amma Wallah, lui, il n'a pas de pouvoir. Mais nous, on lui a donné. Donc, premier, ce point très très important, le respect. Deuxième point important, si vous voulez que le couple tienne très longtemps les marques d'affection et d'amour. Ça, c'est un gros problème. Je suis désolé, c'est toujours gênant ce sujet-là. Pourquoi? Marque d'affection et d'amour. Le problème, c'est que nous, normalement, chacun de nous ici, il a grandi d'une certaine manière. Et en grandissant d'une certaine manière, il a reçu des choses de ses parents. Je donne un simple exemple. Quand tu as grandi depuis que tu es petit et que ton père et ta mère te disent « Mon petit, je t'aime ». Le mot « je t'aime », c'est tout, tu es habitué avec. Tu as grandi avec. Plus tard, si toi tu dois dire je t'aime, il n'y a aucun problème. Et la preuve, c'est dans la sunna. Vous allez dire à M. Haddash, il est venu bizarre, là, il a changé. Non. C'est dans la sunna. La preuve, on nous apprend dans la sunna, écoutez-moi bien, qu'un musulman vis-à-vis d'un musulman, qu'est-ce qu'il lui dit? Uhibbuka fillah. Je t'aime en Allah. Un jour, j'ai fait le test en classe. Pour vous dire, les jeunes, des fois, comment ils fonctionnent. Incroyable, hein? Parce qu'on a grandi comme ça. Je donne au grand jusqu'au bac. J'étais au tableau, j'ai écrit « Je t'aime ». Et c'est des classes, j'ai pas de filles, donc c'est des grandes classes que de garçons. Puis un élève, il me fait « Monsieur Haddash, qu'est-ce qui se passe ?» Puis je me retourne, je suis toujours semblant de rien. Je dis « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?»« Dès que tu as écrit là, le truc là. » Hey, tu vois, hey. Alors que c'est « Wallah, c'est des high stats, hein. » Ah, c'est des portes, hein.
Je dis, quoi, qu'est-ce que j'ai écrit? Elle dit, c'est bien, monsieur. Je dis, vas-y, lis. Ah, oh, monsieur, vas-y, mets le vrai titre. Je dis, oh là, c'est le titre d'aujourd'hui. Wallah, éclatage de rire en classe. Tu parles sérieux? Je t'aime. Ouais. Et je dis, voilà, exercice. Je dis, on n'a encore rien fait. Je dis, exercice. Et on fait quoi? Je dis, chacun regarde son voisin. Allah, faites-le maintenant. Dis à ton voisin, je t'aime en Allah. Faites-le, regarde. Et Wallah, il y en a plein qui rigolent. Regarde, Allahu Akbar. Wallah, l'adim, regarde. Il y en a même qui n'ont même pas fait rien là-bas. Ils regardent même travers là-bas. Il y en a qui me regardent bizarre. Eh, là-bas, là. Vas-y, dis-lui. Wallah, mais il se regarde. Allah, mashallah. Eh, Wallah, qu'on soit honnête. Difficile ou pas? Wallah, des fois difficile. Wallah. Ad l'islam, il est encore plus gentil que nous. Tu dis je t'aime à ton frère, et en islam, il doit lui te répondre. Ahabbak Allah, l'a dit Ahbab Tanifi. Ça veut dire, il te dit, Wallah, qu'Allah t'aime. C'est Allah, ce Seigneur pour lequel tu m'as aimé. Ah, purée, la. Eh, Wallah, normalement, si on voit nos textes, les musulmans, ceux qui sont en face de nous, ils devraient dire, mais c'est une bande de fous, ces musulmans. Passe leur temps, je t'aime, Ahabbak Allah. Et la réalité, c'est quoi? Laisse tomber. Alors, dans le couple, ça se passe comment? Bon, chez certains nouveaux jeunes, maintenant, je t'aime, c'est les 3-4 premiers mois pour bien arnaquer. Toi, pour. Hein, 3-4 bagues en argent, mais moi, il me le faut. Alors, moi, 3-4 cadas, 2-3 parcs, tintin, texto, hein, je dors pas. Tu sais, je dors pas, je mange pas, je sais pas. Moi, c'est, voilà, c'est un petit résumé vite fait. J'exagère, hein, comme d'habitude. Hein. C'est un petit résumé vite fait, hein, Kada. Tous les soirs, n'oublie pas la prière du 8. Hein, mashallah. Ouais. Hein, à 5 heures, il envoie aussi. Salam, Fajr, Subh. Ouais. Et après 3 ans? Après 3 ans de mariage? Les Bouygues Télécom, ils ont fermé les abonnements, là. Là, t'as remarqué, c'est salam. Du pain? Combien de viande? Un demi, un quart? C'est prêt? Parce qu'il a la sœur, tu rentres quand? Des fois même. Des fois, il n'y a même pas de réseau, Yag. Non, mais c'est la réalité ou pas? Eh bien, les marques d'affection, subhanallah, écoutez-moi bien. Allons voir dans la sunna. Eh, na'am. Moi, je ne suis pas un psy, je ne suis pas venu vous dire Jean van de Rosenberg a dit que. Là, là, là. Allons voir chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Entre lui et Aïcha, radiallahu anha, il y avait une belle histoire au sujet d'une corde. Vous l'avez déjà entendu? Eh bien, l'image qu'avait donnée, écoutez-moi bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'amour qu'il a vis-à-vis de Aïcha, radiallahu anha, était l'image du nœud d'une corde. Et elle venait lui demander comment il est le nœud. Allahu Akbar. Quand ça, il y a plus de 1400 ans dans le désert. Elle lui demandait, « Ya Rasulallah, comment il est le nœud ?» C'est-à-dire, comment il est cet amour-là? Il est comme le nœud. Et ce nœud, comment il est? Il est encore fort. Il est encore bien serré. C'est-à-dire, je t'aime encore comme je t'ai aimé les premiers jours. Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sur celui sur qui la révélation descend. Les Arabes, en ce temps-là, même si c'était des durs, ils avaient la force de venir des fois, oser demander. Et il y en a qui venaient chez le prophète. Mais Rasulallah, qui aimes-tu le plus? Normalement, entre personnes qui sont un peu, soit des races qui sont un peu dures. Normalement, aujourd'hui, ça se passe encore. T'imagines aujourd'hui aller, que ça soit turc ou maghrébin, je parle en général. Si t'imagines si quelqu'un vient chez toi, il te fait, t'aimes qui le plus? Je crois que tu vas lui dire, je parle de, par exemple, ma région où j'habite, je vais pas vous le dire, sinon je vais recevoir des menaces. Ma région, si tu oses lui dire, j'aime ma femme, va te faire chmette, espèce de vendu. J'aime ta femme. J'aime ça. C'est un peu, ça fait la honte. C'est la vérité, Wallahi. Ça fait la honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils viennent. Imaginez, Hachabab, Wallahi, des hommes, tabarakallah, des mujahides, des grands combattants, donc vraiment des. Et ils viennent, tu aimes qui le plus, ya Rasul? Qu'est-ce qu'il leur dit? Aïcha. Allahu Akbar. Wallahi, ça donne des frissons. Wallahi al-Adim. Il leur dit, donc devant des hommes qui n'étaient pas habitués à donner même pas un seul droit à la femme. La preuve, les filles étaient enterrées vivantes. La femme n'entrait ni dans l'héritage, même pas dans le droit de parole, à parler.
pour ça qu'aujourd'hui, il y a des maris pour taquiner. Quand ils lisent la biographie du prophète, ils en profitent, ils lui disent, quand sa femme commence à demander des trucs, il lui dit, il y a 1400 ans, vous n'étiez même pas dans la carte. Vous n'étiez même pas présente. On a fait un bond. Bah, doucement. Ouais. Pas trop demander à la fois. Yak. Subhanallah. Il lui dit, Aisha radiallahu anha. Et vous connaissez le texte, après il passe à son père. Sahoulala. Abu Bakr, côté homme. Tchou subhanallah, chaval. Les marques d'affection aussi de l'ard alikoum. Il y a beaucoup de gens qui pensent, écoutez-moi bien, et c'est pour ça que c'est une grosse erreur que les jeunes font, lorsqu'ils, spécialement les nouvelles générations, et même les anciens doivent faire attention, parce que ça touche tout le monde. Les marques d'affection, les amis. Des fois, on a l'impression qu'une marque d'affection, ça doit être avec beaucoup d'argent. Ça doit être avec un grand cadeau. Wallahi, des fois, chabab, une fleur. Une fleur. Même moi qui vous le dis, on oublie. Allah, on l'oublie. Des fois, mon épouse, il me dit, eh ouais, ça fait un mois, il y a même pas pensé à... un mois est passé. Puis je dis, je vais t'acheter, Inch'Allah, je vais voir... Si tu veux une bague, elle ne fait pas de bague, j'ai pas besoin. Un euro, une fleur. Parce que des fois, les hommes, ils pensent qu'il faut apporter grandiose. Bon, à part si quelqu'un ici, il est tombé sur quelqu'un qui veut grandiose, ça, je peux pas faire des conférences pour tous les styles. Je parle de la norme. Normalement, un geste, wallah, il a dit, un geste, il reste. Et l'épouse, la même chose. Nous, j'aime pas quand on est dans des conférences, ça arrive que des fois, des professeurs, ils parlent toujours avec le cadeau de l'homme vis-à-vis de la... Non, les deux. La preuve, Aïcha, radiallahu anha, vous savez qu'elle prenait son voile. Et Msakin, regardez les pauvres, ils avaient pas beaucoup de moyens. Elle prenait son voile, elle le mettait dans du safran pour qu'il change de couleur. Et que quand le prophète il entre, il la voit avec une autre couleur. Ça, c'est des marques d'affection. Elle changeait, subhanallah, la couleur. Et ça faisait quelqu'un d'autre. Il y a 1400 ans, il y a les jeunes. Donc les mots doux, des fois les petits écrits. Tu sors très tôt, par exemple, tu pars travailler 3-4 heures du matin, un petit mot. Même si tu dois aller, par exemple, l'épouse doit aller aider la mère ou quelque chose, kada, et elle va peut-être pas croiser. Là, qadallah, ce soir, le mari, ça veut dire à l'heure où il va entrer, pour pas qu'il entre, regardez, subhanallah, les vraies marques d'affection, pour pas qu'il entre, il se retrouve seul pendant une heure, elle laisse un mot sur la porte, un petit mot. J'ai pensé à toi, salam, qu'Allah te préserve, je vais aider ma mère à Oulakada, Oula Mouhem, ce qu'ils sont arrangés entre eux, j'arrive. Je t'embrasse, Oula Bisou, Oulakada. Non, nous, là, aujourd'hui, là, il n'y a rien. Et je ne vous parle même pas de ceux qui dépassent les 10 ans de mariage. Là, c'est comme si on a deux vieux corps qui sont déposés. Ils rentrent, ils mangent, Kada. Ça va, tout va bien. Alhamdoulilah. Ah, la soirée, là, elle est bien passée. Ah, une de ces discussions de dingue. Ah, il y a eu un de ces débats, c'est. Oh, je crois même que ta femme elle t'a enregistré même. Ça le repasse plusieurs fois. Là, ça va. Il y en a, ils parlent pas. Ça c'est le troisième point. Dialogue. Vous avez remarqué chaque point c'est une conférence. Wallahi. Mais ici je donne des pistes. Le dialogue. Et les savants disent dialogue avec communication. Vous savez pourquoi? Parce que il y en a qui croient que dialogue c'est toi tu parles pendant 2 heures. Et à la fin tu lui dis t'as compris hein? Allez je te laisse hein, je dois y aller. Et puis tu me dis, moi, alhamdoulilah, j'ai mis en pratique, je dialogue. Non, ça, c'est pas un dialogue, ça, c'est un monologue. Ça, c'est entre toi et toi. Là, un dialogue, c'est quand il y a, subhanallah, deux personnes qui parlent. Et un vrai dialogue où ça communique, et c'est là que c'est compliqué dans les couples. Et là, c'est un problème qui fait que nos couples n'y tiennent pas. C'est que nous, les êtres humains, on n'a pas la même manière de voir les choses. On ne voit pas les dossiers de la même manière. Allez voir les études. Même les non-musulmans le disent, wallah, et même les psys et compagnie le disent. On n'a pas la même vision des choses. Un homme, par exemple, qui va venir te parler entre nous, hein, les hommes, par exemple, tu viens d'acheter une nouvelle voiture, t'as mis une install. Je dis, t'installe, yak, là où vous mettez le CD et tout. Comment vous l'appelez? Ah, vous dites poste radio. Ah, les Français, toujours par des 90, poste radio. Non, nous, chez nous, c'est install. Parce qu'elle a été installée. Ah, la Belgique, c'est tout petit, même les mots, ils sont petits, c'est comme ça. Taïb, le poste radio. T'imagines quand t'as installé un poste radio là que t'as préparé depuis des années. Comment tu en parles à ta femme? Des yeux qui brillent. Et regarde, tu appuies entre nous. Elle, wallah, elle s'en fout. Wallah, qu'elle en a rien à faire, ni de ton poste radio, ni de tes pneus, ni de tes jantes. Mais wallah, c'est le moins de ses soucis. Mais subhanallah, souvent, tu as trouvé les femmes, elles sont là. Ah, subhanallah. C'est hypocrite de la mort, hein. Mais allez,
Mais ils vont faire avec le pas. Et souvent, le côté mari, qu'est-ce qu'on fait ? Imagine ta femme vient chez toi, elle te montre une petite fleur qu'elle a tressée. Tu viens de taper 10 heures de bâtiment là, 10 heures tu pètes des murs. Elle te dit, assis-toi, je vais t'expliquer l'histoire de cette rose. Oh Allah, t'as envie de la manger, elle est la rose. Tu la suis. Elle est bien ta rose. Hein? Après 3 minutes, 5 minutes. Oh Allah, les gars, des fois ça peut paraître lourd. Spécialement quand c'est un dossier qui n'attire pas les hommes. Eh bien, les femmes aussi, il y a des dossiers qui ne les attirent pas. Et vice-versa. Mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on doit vivre ensemble. Et on doit apprendre. Et même les non-musulmans n'arrêtent pas de le dire. C'est incroyable. Alors que nous, on parle dans nos textes. On a dans le Coran et la Sunna depuis plus de 1400 ans. On parle de cette communication à deux. Et on le voit dans les discussions qu'avait le prophète Asma avec ses épouses. On voit même, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été plus loin. Il a même demandé des conseils, même aux femmes. Parce que quand il venait parler, il parlait devant tout le monde. Il y avait les hommes devant, les femmes derrière. Et il parle à eux, hein. Sah ou lala. Et les femmes, des fois, conseillaient de loin. Ya Rasulallah, il y a ceci, il y a cela, il y a kada. Toujours, subhanallah. Donc, communiquer, dialoguer. Wallah, ya Shabab, si on devait, et si on pouvait se donner chaque soir, il y a des gens qui pensent que ça prend des heures. Non. Parce que même quand tu veux trop parler, c'est pas bon. Tu sois homme ou femme. Wallah, si chaque soir on se donne ne fût-ce qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, pour parler d'un sujet. Et c'est là que moi je mets alors la parenthèse et je mets le religieux. Ça veut dire parler, discuter des choses de la vie. Et ceux qui me disent, ouais, mais de quoi on va parler? Wallah, il y a 200 000 livres. Ah, tu veux parler de religion, subhanallah? Ah, il y a 200 000 sujets. Même si tu t'y connais pas, tu ouvres un livre, tu lis une page. Prends un livre de biographie, 300 pages minimum. Chaque jour une page, ça te fait combien? Un an. Rahoulallah. Wallah, quasi un an. Est-ce qu'on a ce programme, nous, à la maison, ceux qui sont mariés là, ici? Est-ce que vous avez un programme tous les jours, le soir, avec madame côté religieux? Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est le ciment. Et ça, wallah, ça bloque Satan pour entrer dans les couples. Non, nous, on tombe dans la routine après quelques semaines. Le travail, la fatigue, manger, dormir, au revoir. Là. Et ça, j'ai fait des statistiques à Bruxelles. Combien de fois je demande dans les conférences? La plupart des jeunes m'avouent. On n'a pas de programme religieux. Ouais, quand ils font les fiançailles, des fois, ils viennent faire les conférences ensemble. C'est vrai ou pas? Chaque fois, on va aller écouter une conférence. Et une fois marié, fini. Non, continue toute ta vie. Le jour où il y a conférence, profite que ce jour-là, il n'y a pas de portable, il n'y a rien. C'est moi et mon épouse, on sort. Le soir, il n'y a pas la télé pendant 5 heures. Wallah, cette télé, ils ont raison à la télécommande, là. Vous voyez l'appareil? Wallah, qu'elle commande, ils ont raison. À la maison, c'est la télé qui commande. Wallah, c'est la vérité. L'être humain, il ne commande plus rien maintenant. Et il est là 5 heures, il zappe. Allahu Akbar. Et on n'arrive pas à tenir une demi-heure devant un livre. Voilà pourquoi nos soirées ne marchent pas. Voilà pourquoi nos couples ne marchent pas. Il ne faut pas qu'on jette tout sur eux avec les problèmes. C'est nous qui les avons, entre guillemets, fabriqués. Et pour aller plus loin, la patience. Et je vais arrêter dans quelques minutes, 4-5 minutes, Inch'Allah. La patience. C'est un autre ciment dans le couple. Il y a des gens qui pensent que tout va venir très vite. Et il y a des gens qui pensent que quand il y a un petit problème, tout va s'arranger dans les heures qui suivent. Ça, c'est déjà bien. Non, nous, on a ceux qui pensent que tout va s'arranger dans les minutes qui suivent. La patience, c'est aussi attendre quelques années pour que tu t'adaptes au caractère de ton épouse et l'épouse, elle s'adapte au caractère de son époux. Et si on craint Allah subhanahu wa ta'ala, pendant cette patience-là, pendant ces années de patience, on va poncer les caractères. On va essayer d'effacer ce qui n'est pas religieux. Si tu es un radin, il faut devoir enlever ça. Radin quand tu es à la maison, ça passe. Un exemple, tu as un gosse qui grandit avec ses parents, chaque semaine il donne 2 euros. Tu as envie d'être un radin, c'est ton droit ou pas? J'ai envie de garder mes 2 euros, je ne vais rien acheter. Le seul cours que je vais te donner, ouais, je veux dire fils, de temps en temps, ou bien fille, une petite aumône pour la mosquée, s'il te plaît, hein, on va y arriver tout à l'heure. Une petite aumône, investis pour l'au-delà. Mais t'as envie de garder les 2 euros, t'as le droit ou pas? Ouais, mais une fois marié, il faudra de la patience. Pourquoi? Un jour, tu vas économiser 100 euros, puis ta femme va venir chez toi, il y a la tunique là. Tu te rappelles la tunique d'il y a 10 ans que tu m'as acheté? Le radin. Mais elle ne va pas dire que t'es un radin. Elle va juste te faire comprendre, elle va te donner l'année.
Ça, on a encore aujourd'hui des gens comme ça. Elle va te dire, il faudrait 60 euros. Patience, mon frère. Sors-les. C'est dans la sunna, c'est dans le Coran. Tu dois habit, nourriture, maison comme il se doit, c'est-à-dire appartement comme il se doit à ton épouse. Ça, c'est une obligation. C'est pas les imams qui, soi-disant, sont des vendus. Non, non, wallahi, c'est dans le Coran et la sunna. Dieu en est témoin. Ça n'a rien à voir. Donc, la patience, elle est dans tous les domaines. Que ça soit vis-à-vis des caractères, que ça soit financier. Les caractères, c'est pas simple. Wallahi, ce n'est pas simple. Pourquoi? Quant à quelqu'un qui a vécu 22 ans à la maison dans un style de vie, et puis du jour au lendemain, il doit s'adapter avec une autre personne. Eh bien, en islam, subhanallah, qu'est-ce qu'on fait? On pond ce qui est mauvais et le reste, on avance avec, étape par étape. Et si jamais il y a un caractère côté religieux qui est même grave et qu'il faut peut-être même aller voir un médecin ou un spécialiste, un vrai musulman, il l'accepte. J'ai bien dit un vrai musulman, il l'accepte. Est-ce que nous, on l'accepte dans la réalité? Non, on veut rester avec ça. Alors après, tu demandes la patience? Non, le couple, il ne va pas marcher. Wallah, il va avancer. Je te jure, devant Dieu, il n'avancera pas. Ça va éclater un jour ou l'autre, parce que la patience est rattachée à l'impatience. Un jour ou l'autre, le patient, il lâche prise. Pourquoi? Ça dépend du dossier. Il y a des choses, il y a moyen de patienter des années. Il y a des choses, non. C'est pour cela, Allah rida alikoum, lorsqu'on vous demande de patienter, vous allez voir, il y aura des erreurs. Et normalement, les meilleurs couples, je parle des erreurs normales, hein, normalement, les meilleurs couples, c'est grâce aux erreurs, d'abord grâce à Allah, comme vous le savez, puis grâce aux petites erreurs qu'il y a, qu'on commence, wallahi, à mieux se comprendre et à se souder. Écoutez-moi bien, ça veut dire qu'il y a une erreur qui arrive, normalement, le soir, on dépose une petite tasse de thé, un chai, ou bien un jus, et c'est le débat de la soirée, très poliment. Tiens, aujourd'hui, on a vécu une petite erreur bizarre là. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que la fois prochaine, elle ne revienne pas? Comment ceci? Comment cela? Tu laisses l'occasion à l'autre, c'est-à-dire les sœurs doivent aussi laisser l'occasion au mari, le mari à l'épouse, et ainsi de suite. Laisse l'occasion à l'autre de parler, de dire comment est-ce qu'il a vu les choses. Vous savez pourquoi, Shabab? Pourquoi on dit toujours de patienter? C'est dans la sunna la patience. Parce que des fois, il arrive qu'une personne, toi, tu as remarqué que c'est une erreur, mais la personne là, ton épouse ou ton époux, il n'a pas remarqué que c'est une erreur. Pour lui, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, tu vas devoir user de différents moyens pour faire comprendre que c'est une erreur. Deuxièmement, il se peut que ce que toi, tu penses être une erreur à tes yeux n'est pas une erreur religieuse. C'est peut-être une divergence, si je parle de la religion, et que toi, tu n'es pas au courant. La patience, c'est de l'or. La patience n'a pas de prix, parce qu'elle t'évite de tomber dans des erreurs incroyables aussi, des jugements incroyables. Et ça te permet aussi de ne pas tomber dans des regrets infinis. Wallah, il y a des regrets des fois où tu te dis, j'aurais dû patienter ceci, cela, ou sinon. C'est pour cela, Allah rida alikoum, et j'arrive à la fin. Ça passe très très vite, ce qui est tout à fait normal, alhamdoulilah, et c'est un plaisir, Wallah, et toujours de vous parler, de parler comme ça de sujets très sociaux qui touchent un petit peu notre réalité. Mais je crois que vous avez saisi. J'ai cité 5-6 mots-clés. Je ne vous ai pas cité 25 mots. Ces 5-6 mots-clés, c'est du ciment. Et on le trouve dans le Coran, on le trouve dans la Sunna, et on voit comment le prophète s'est mis à employer. Mais, voilà, la balle, elle est de votre côté. Celui qui, alhamdoulilah, les met déjà en pratique, wallah, qu'il les enseigne aux autres. Qu'on le rappelle à nos jeunes, qu'on fasse des petits séminaires, des petites formations à nos jeunes, pour leur parler de qu'est-ce que la réalité de la vie de couple. Que ce n'est pas tout simplement que dès qu'on a 22, 23 ans, on a 18 ans, on a un flash, là, on veut se marier dans les 24 heures, et puis on est parti là. C'est un acte d'adoration. Comme on nous a laissé 3 ans pour apprendre à prier de l'âge de 7 ans jusqu'à 10 ans, on doit aussi donner quelques années à nos enfants pour qu'ils comprennent qu'est-ce que le mariage. Et ça, vous savez très bien, dans beaucoup de nos familles, on l'a pas fait. Les jeunes apprennent d'eux-mêmes 3-4 CD, 2-3 livres. C'est avec ça que tu vas, mashallah, vivre 30 ans, 50 ans marié. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais nos parents, stop. Nos parents, c'est une autre histoire. Nos parents n'ont pas eu l'éducation qu'on a eue en Europe, pour la plupart d'entre nous. Nos parents ont grandi sur un système où ils ont vu aussi leurs parents fonctionner de la même manière. Nos parents ont grandi sur la pudeur et ferme ta bouche. Scoute. C'est comme ça qu'on a même vu nous-mêmes, des fois, nos grands-parents fonctionner. Je me rappelle encore de mes grands-parents, rahimahoullah.
La grand-mère, elle ne va pas être d'accord sur un sujet, tu vas voir le grand-père, il va faire « Allez, là, t'entends qu'un petit son. » Et tu vois la grand-mère, frère, elle part. Tu dis « Purée, ils parlent vite ceux-là. Comment ils ont fait ?» Elle a fait un son. Elle a dit « Est-ce qu'aujourd'hui, on va te dire qu'islamiquement, c'est à l'aise ?» Non, c'est très bien. On parle, on fait. Mais c'était leur système. Ça a fonctionné, alhamdoulilah, d'une certaine manière. Et je termine, wallah, sur cette phrase. « Anne, vous pensez que même nos parents qui ont un certain âge, vous pensez qu'ils n'ont pas de problème ?» Là, des fois, ils ont beaucoup plus de courage que nous, plus de force, parce que j'ai aussi des mères qui viennent me rendre visite. Et j'en parle très rarement dans les conférences, mais wallah, j'ai des fois des mamans de 60 ans qui viennent, qui me disent « j'en ai marre, j'en peux plus ». Je suis marié depuis 40 ans, à part les deux premières années où il me sortait, faire un tour, elle me dit « mais non, wallah, jamais il me sort ». Il part au pays, il passe 2 mois, il revient, c'est tout, puis je reste à la maison, et vous savez très bien, on a des vieilles mamans, c'est comme des objets déposés à la maison. C'est des vérités ou pas? C'est des réalités. Et je les reçois quand? Vous savez quand? Elles viennent les pauvres en cachette le vendredi parce que c'est le seul permis de sortir pour aller prier le vendredi. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles font semblant qu'elles montent côté femme. Dès qu'elles voient le hajji rentre à la mosquée, elles redescendent vite. Salam alaikum. Et wallahi, je reste étonné ces dernières années de la fameuse question que nos mères commencent à poser. Comment est-ce qu'on divorce? Je dis, khalti, ya ma tante. À quel âge? Elle me dit 65. Allah... Ya Khalti, t'es arrivé à 65. T'as raison. C'est vrai, c'est lourd. T'as patienté, qu'Allah te récompense, et c'est immense. Mais s'il te plaît, oublie ce mot. Fais ton possible de m'envoyer tes fils, tes filles, envoie-les-moi. Essaye de trouver un subterfuge. Moi, je trouverai comment entrer dans la question du mariage ou autre. Dans la question de vie de couple. Donc ne pensez pas et ne dites pas, il y a les jeunes, ouais, mais nos parents, c'est parce qu'ils ont, ils sont certains, se sont habitués, m'sakin jazawullah, qu'Allah les récompense, à garder le silence. Un peu plus de poigne. Mais on sait très bien qu'il y a aussi des dégâts. Sah ou là, il y a des dégâts. Enfin, voilà, essayons de mettre, c'est ce qui est beau dans les rappels, c'est que des fois, si on arrive à mettre en pratique que quelques pourcents, wallah, on est déjà bien. Que l'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que l'on fait. Et inshallah, les frères vont venir vous parler, comme d'habitude. Mais il n'y a pas que vous, même ceux qui sont à l'extérieur. Comme vous le savez, mosquée, association, ça fonctionne toujours, et ça fonctionnera, inshallah, binillah, toujours avec les dons. Et pour nous, en tant que musulmans, les dons, c'est une fierté. Pour nous, les dons, c'est pas un poids. Les dons, chez nous, en tant que musulmans, c'est une fierté. Pourquoi? La vie d'ici-bas, elle est éphémère, et on fonctionne, et on investit pour l'au-delà. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a délaissé et ne délaissera jamais le fusque où Allah est un grain de moutarde. Un grain de moutarde. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Tu fais le plus petit grain de moutarde de bien, wallahi, tu le verras et tu le retrouveras le jour du jugement dernier. Et tous ceux parmi vous qui ont eu des proches qui sont décédés, ils savent de quoi je parle. Une fois qu'on est parti, c'est fini. Sauf, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent. Sauf 3 actions. Un enfant pieux qui continue à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour ses enfants, alors il fait entrer de la clémence sur ses parents, une sadaqa jariya, voilà, ça c'est ce qu'on va vous demander d'ici quelques minutes, une aumône qui court, qui continue à te rapporter, subhanallah, des bénéfices. Et les meilleures aumônes, c'est les constantes, comme vous le savez. Et ilmun yuntafa'u bihi, une science, subhanallah, t'as appris une science, tu la transmets aux autres. Ah, aujourd'hui, t'as entendu quelques mots, t'as un frère à toi, un cousin, un proche, les sœurs, la même chose, tu vas, tu leur transmets. Tu dis, ouais, moi ça va pas, kada. Fais attention à ça et ça et ça. Donc regardez, subhanallah, la clémence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même mort, et on peut encore, alhamdoulilah, gagner certains bénéfices. Alors, profitez tant qu'on est encore vivant. Wallahi, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, on sera peut-être pas capable de faire dans 20 ou 30 ans. Allahu a'lam. Et pour terminer, le prophète Hassan aussi nous rappelle, jamais, 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 les biens d'un croyant vont diminuer parce qu'il a donné une aumône. Wallahi, au contraire, ça sous-entend qu'ils augmentent. Enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Et qu'Allah préserve vos familles, vos couples, vos enfants, et qu'il préserve vos biens, et qu'il fasse, inshallah, que tout ce que l'on dit, que l'on puisse donc le mettre aussi en pratique. Subhanakallahu wa bihamdik, nashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et je donne la parole donc aux frères, inshallah, qui vont vous expliquer le reste. طيب بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Voilà, comme d'habitude, il y a des fois des questions, comme vous le savez, qui sont très très hors sujet. Donc ne soyez pas étonnés que pour le début, je n'en parlerai pas. Comme ça, on donne plus de temps pour ceux qui sont par rapport au sujet. Première personne dit que dire à l'autre lorsqu'on sent qu'il est sous l'emprise de son ego ou coupe les canaux de communication, invocation et autres. Shabab, il faut être honnête, on a des fois des personnes qui ont des problèmes, sincèrement, purement, comme on dit, entre guillemets, psychologiques. Ça arrive, c'est des réalités. Des fois, parce que c'est un vécu, je vous prends un simple exemple. J'ai un ami, donc, pas que un, en vérité, j'en ai deux, trois, qui sont donc psychologues musulmans. Ça veut dire qu'ils ont fait des études théologiques. Donc, c'est des amis qu'on a même des fois dans les cours ensemble, dans des instituts de théologie, et qui ont étudié psycho, cadre. Donc, c'est l'étude de l'être humain. Ça ne veut pas dire que t'es fou. Des fois, il y a des petits blocages sur certains sujets. Ils essayent de trouver des situations. C'est un des outils parmi certains, donc, outils que l'on a, entre guillemets, dans le domaine médical et autres. Où il faut un juste milieu, il ne faut pas aussi avoir un excès, il faut attention à ce qui se dit. Moi, c'est tout un. Mais, des fois, subhanallah, quand je discute avec eux, et on entend ce qui se passe, c'est qu'on oublie qu'il arrive qu'il y ait des personnes, je vous prends un simple exemple, il m'explique, tu as des fois un jeune, il grandit, pendant qu'il grandit, chaque fois qu'il veut parler de quelque chose ou bien donner un avis, les parents c'est « scout, tais-toi, je suis occupé, tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Pendant des années c'est « tais-toi ». Jusqu'à ce qu'il arrive à un certain âge, il ne discute même plus. Il s'est habitué à ne même pas discuter. Et il ne provoque même pas la discussion. Et si jamais on voudrait discuter, c'est là que, subhanallah, le type, il est étonné. Et il ne discute pas. On a un autre style, qu'à chaque fois qu'il a voulu discuter, ça s'est terminé en dispute des fois avec les parents. Et il est même arrivé qu'il a peut-être même reçu des coups. Et il est arrivé que la personne, après discussion, médiation, qu'est-ce qu'il nous dit ? J'aime pas la discussion. J'ai déjà reçu trop de tartes, moi dès que c'est discuté, moi je vois noir, je vois des problèmes, faut pas me parler de discuter. Voilà, soit on accepte la chose, si elle ne veut pas, Allah aoun, c'est tout, c'est directement fermer la porte. Il y en a qui ont peur de la confrontation. Parce qu'il ne sait pas, Allah, qu'est-ce qui va se passer après. On a un tas de situations. Ces situations-là, c'est des réalités, on ne peut pas faire semblant qu'elles n'existent pas. Et vous savez très bien que ça soit côté homme ou femme, on a des pervers, on a des manipulateurs et des manipulatrices, on a des spécialistes de certains trucs très tordus, et c'est la vérité, et j'en ai vu de mes propres yeux, wallahi. C'est des réalités. Donc c'est pas l'imam ou le conférencier qui va te répondre en disant qu'effectivement, vous avez fait une étude de votre époux ou de l'épouse, et que vous dites qu'il ou elle, sous l'emprise de son ego. Ça veut dire que vous avez remarqué quelque chose. Moi, je vous conseille, Allah d'alikoum, quand il y a moyen, je dis bien, quand il y a moyen, de pouvoir parler avec quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, prenez un avis. Deuxièmement, écoutez-moi bien, donc on prend un avis. Deuxièmement, parce que là, vous faites un jugement. Vous avez déjà donné une réalité. Il est sous l'emprise de son ego. Je ne peux pas le juger, c'est vous qui êtes avec lui, je suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Deuxièmement, essayez au moins de provoquer, entre guillemets, la discussion, mais pas par vous, mais par quelqu'un de la famille que lui respecte et que vous connaissez. C'est comme si tu vas aller, par exemple, chez le cousin que lui, il aime bien, il respecte, et tu dis, par exemple, cousin, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de discuter avec un tel par rapport à telle et telle chose ? Essaye de trouver par quelle porte tu vas pouvoir entrer pour essayer de voir avec lui, parce qu'avec moi, c'est impossible, il ne veut pas discuter. Troisièmement, si ça ne marche pas, et que ce qu'il est en train de vous faire là est très très lourd, ou ce qu'elle est en train de faire, parce que la personne dit il ou elle, ça devient très très lourd, ça devient difficile à gérer, là, alors à ce moment-là, on passe à une médiation, mais en étant présents tous les deux, avec une personne neutre. Juste avant, j'ai dit, vous allez demander
que la personne lui parle. Maintenant, il ne veut pas, il faudrait que vous lui fassiez comprendre qu'on va devoir tous les deux être présents. Parce qu'on ne peut pas vivre sans communication, c'est de la folie. Vous savez, être quelqu'un qui est sous l'emprise de son ego, ah, c'est hyper difficile, c'est un truc de fou, hein, wallah. C'est pas facile. Donc, il croit toujours, je crois que. C'est pas facile. S'il n'accepte pas, vous avez remarqué, ah, on arrive quasi à la quatrième ou à la cinquième étape, là seulement, on en parle aux parents. On essaie de faire une rencontre avec les parents. Mais là, on doit savoir qu'il se peut que ça va aller loin. Mais il n'y a quand même rien à perdre puisque vous alliez quand même dans le vide. Puisqu'en général, on l'a dit tout à l'heure, on patiente, on voit. C'est comme ça, c'est une règle qu'on donne toujours à tous les conflits qu'il y a. On patiente un peu. Sauf quand il y a coups et blessures. Quand il y a quelque chose qui va devenir dangereux psychologiquement pour la personne. Et j'ai déjà vu, wallah, il a dit, mes frères et les sœurs, j'ai déjà, sur les 15 ans au bureau, wallah, j'ai déjà vu des fous devant moi. Où je me dis, cette personne, qu'il soit homme ou femme, j'en ai eu des deux côtés. Même un chat, wallah, je vous mens pas. Un chat, et je ne le laisserai pas avec lui dans une maison. Wallah, il a dit. On en a eu devant nous. Hmak, fou, pour du vrai. Et des sœurs qui vont conseiller la sœur, non, ma sœur, patiente en islam, kada. Wallah, un jour ou l'autre, il va lui faire une mousseba. Ou bien il va la tuer psychologiquement. Comme j'ai eu l'inverse, Aoud, la même chose. Des sœurs complètement tapées, mais vraiment exagérées. Un but de sa personne. Moi, même des trucs de fou. Et là, il n'y a pas le choix. Là, tu ne peux pas me dire, oui, je vais attendre, je vais faire. Parce qu'à ce moment, même toi, tu peux être détruit. Wallah, tu peux être démoli. Ta vie, elle est foutue. Et c'est pour ça qu'on a entendu, peut-être vous pas, alhamdoulilah, j'espère, c'est des petites régions ici encore tranquilles, mais nous, dans les grandes villes, c'est pour ça qu'on entend des fois des sœurs qui ont disparu, elles partent. Wallah, ça, c'était inconnu avant. Hein. Avant, on entendait ça que chez les Européens, entre guillemets. Quelqu'un tel, il est parti, il a disparu. Et l'Européen, c'est aussi un être humain. Hein. Et le musulman, c'est aussi un être humain. Donc comme l'Européen, un jour ou l'autre, il avait l'habitude, je sais pas, d'être à l'aise, et puis on est venu, on l'a embêté, on lui a fait... C'est un être humain, ben le musulman. Il y a des gens, ils pensent pas ce que tu dis musulman, ça veut dire que c'est du béton armé. C'est aussi un être humain à la base. Sauf que c'est vrai que c'était tabou chez nous, on n'entendait pas beaucoup parler de cela. Et on disait dans notre manière de parler, ouais, chez les Belges, ou bien les Français, et il en a marre, il part. Et après, t'es le mot fugue, là, par exemple. Pour les jeunes, cadres. Alors, chez nous, c'était tabou dans les familles maghrébines et autres, fuguées. Et si ça se passait, personne ne parlait. Maintenant, wallah, el-adim, j'ai déjà eu des cas où le mari vient, ma femme a disparu. Et elle a pris les bagages, elle a laissé un mois, elle est partie. Wallah, ikhwan, des fois même en France. Et de Paris, ils le retrouvent 3 ans après, où ça, à Marseille. Écoutez bien. Hein. Et après, quand il y a eu l'occasion d'avoir la personne au téléphone, tu dis, il allait me rendre fou. Me rendre folle, ikhwan. Je préférais partir, je veux voir personne. Alors, j'en ai parlé à ma famille, ils m'ont dit non, reste avec. J'en ai parlé cadan, on m'a dit reste avec. Des fois, il y a des familles qui font des pressions. Alors la personne se dit à devenir fou, wahrab, je pars. Vous voyez, donc il y a des situations, elles ne sont pas faciles. Et les invocations de l'ard alikoum, user des invocations, et spécialement dans la sunna, dans les moments où l'invocation, mashallah, elle est ouverte, elle est incroyable, elle est déjà ouverte tout le temps, et vous le savez. Mais il y a des heures très très importantes, dernier tiers de la nuit. Avant la prière de Sobh, lève-toi une heure et demie avant, s'il y a moyen, invoque. Fais une prière et invoque. Entre l'adhan et l'iqama, invoquez. Après le tashahoud final, tahiyatou à la fin, invoquez. Vous êtes en voyage, invoquez. Pendant Ramadan, dans la prière, dans le sujoud spécialement, l'invocation, l'endroit le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, invoquez. Invoquez pour cette personne. Mais je vous dis, quand il y a des situations où ça devient grave, il vaut mieux passer par une médiation. Et comme j'ai dit, à part les coups et blessures ou bien des traitements psychologiques graves, on ne va pas chez les parents directement. Laissez les parents tranquilles au début. Ça, c'est un conseil à tous. Laissez les parents tranquilles. Parce que des fois, tu te réconcilies et il n'y a pas besoin d'aller salir ton mari ou ton époux chez les parents. Parce qu'il y a des parents, vous savez, on oublie, nous, hein, nos parents, ils nous aiment. Donc quand tu viens parler en mal de son gosse, c'est rare qu'il... Je le vois dans mon métier. C'est rare les parents qui vont dire au mari là, et il est leur beau-fils. C'est rare qu'ils vont lui dire, je te crois, tu es comme mon fils. C'est rare. Les beaux-parents, avec le beau-fils, le jour où il y a des graves disputes, je les ai au bureau, hein. Il n'y a plus de respect, hein, pour un gros pourcent. La même chose des deux côtés.
Chacun aime ses enfants, ya Shabab. Et chacun croit que ses enfants sont les meilleurs. C'est pour ça que tu ne pourras pas venir chez les parents leur dire, voilà votre enfant, il est sous l'emprise de son ego, kada kada. Ils ne vont pas te comprendre. Alors on essaye de, absolument de voir d'abord une rencontre avec des spécialistes, ceux qui s'y connaissent. Et là, ils vont peut-être vous donner des pistes comment fonctionner avec cette personne-là, pour casser un petit peu, entre guillemets, cette relation, comme vous dites, avec son ego et autres. Et ainsi de suite. Après, je vous l'ai dit, quand ça devient catastrophique pour vivre ensemble et qu'il n'y a pas moyen d'arranger, là, on passe toujours alors d'abord une médiation neutre et puis on va à la médiation côté parents. Aussi, une sœur dit, nous venons d'avoir un enfant et mon mari m'en demande trop. Il ne comprend pas que le quotidien est plus difficile pour moi. Il n'est pas assez reconnaissant de tout ce que je fais. Repas, ménage, enfant. Qu'on soit honnête, cette sœur, elle ment ou pas? On a des réalités. Wallahi, on a des réalités. Mon épouse, quand elle est tombée enceinte pour le premier enfant qu'on a, ma plus grande des filles, c'est la première fois qu'on a un bébé, donc à l'aise. Je ne sais pas ce que c'est. Je continue mon roulement de travail, je viens. Le deuxième est venu 2 ans après. Soyez logique. Si le deuxième est là et que madame est à l'hôpital, qui doit garder le premier? Amek cher. Première fois de ma vie, je vais rester avec le premier. À tous les 3 heures, je demandais à ma femme, quand est-ce que tu rentres? Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Il est passé. Ça va bien. Des fois, pour taquiner, il me disait, ah, il se peut peut-être qu'ils vont rajouter 4 jours. Allah! Allah! Pourquoi il y a un problème? Non, j'assume. Non, wallah, c'est pas facile. C'est pas facile. Les miens, ce dernier temps, donc j'ai une fille mariée, elle est déjà installée. La deuxième, elle est mariée, mais elle va faire la grande fête l'année prochaine. Donc elle est encore à la maison. Ça, vous voyez le topo. Et un garçon de 16, une fille de 12 et un de 9. Et mon épouse, donc, a eu le décès de sa tante, rahimallah. Elle a dû partir donc au pays pour l'enterrement. Donc je suis resté avec 4. Parce des grands, aïballah. Allah, ils m'ont rendu fou. T'aurais dit comme au ministère. Tous les 5 minutes, il vient, il s'assied devant moi. Salam alaykoum, bah, il y a un problème. Quel problème? Ouais, voilà. L'autre, il vient avec sa PSP. Non, il y a un problème. Il y a un modèle 2022 qui est sorti. Quelle cartouche, l'ange. Je les regarde comme ça. Quand le soir, j'ai appelé madame, je lui ai dit, ouais, vous avez vu, moi, je suis tout le temps en déplacement. C'est qui trime à la maison? Madame. Derrière mon épouse, je dis, c'est quoi, c'est fou? Elle m'a dit, c'est tes gosses. C'est tes enfants, ça. Mais c'est les enfants, c'est normal, c'est comme ça. Il y a, tous les 3 minutes, il y en a un. Il y a toujours un qui va venir. Un, il a faim à 4 heures, l'autre à 5h30, l'autre à 18h. L'autre, il doit aller au sport parce qu'il est plein d'âge. L'autre, c'est... Quand l'homme, il travaille à l'extérieur, il rentre. C'est quoi son programme à la maison? S'il rentre à 17h, il va, son petit bain, s'il prend un bain, si c'est un Golgot la mort, là, il prend un petit bain, kada, puis c'est l'heure de manger, puis je bédais un peu, parce que c'est normal, j'ai travaillé toute la journée. Mais madame, le programme, il continue ou pas? Ben, il continue. Alors, tu as des jeunes, ils sont très malins. Ils te font, monsieur, stop. Qu'est-ce qu'elles font à la maison, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles font? 2-3 repassages, un petit repas là, des frites et des fichtiques. Tu me dois voir ici qu'elles ont un programme de. Ça, c'est un problème quand on ne respecte pas le travail de chacun. Toi, tu n'es pas une femme, ma frère. Tu ne sais pas ce que les femmes font. Et toi, chère sœur, tu n'es pas un homme. Tu ne sais pas ce que ton mari trime à l'extérieur. Des fois, même pour l'homme, c'est difficile de rester dehors. Et des fois, pour la femme, c'est aussi difficile de rester entre 4 murs toute la journée. Wallah, ce n'est pas facile. Dernièrement, je tombais fort malade. J'ai dû rester à la maison 2 semaines. Ce qui est rare ces derniers temps. Quand on est malade, c'est moi. Je disais, je suis à la maison. Puis je vois le mra le matin, 8h30, on a à peine déjeuné, on prend déjà des seaux. Je fais où tu vas? Je dois faire les poussières. Wallah, regarde la vision de l'homme. Je dis, quelle poussière? Elle m'a dit, normalement, sur la terre, il y a de la poussière qui descend. Et elle s'installe sur des coins, à gauche, à droite, télé. Il dit, viens voir.
Allah et Ikhwan, des fois on découvre. C'est la vérité, on découvre. Allah. J'étais près de la télé, je passe ma main, je fais ah, purée, je fais, ah, ah. Elle me dit, ouais, ça fait 22 ans que je les enlève. Ah, là, je suis merci beaucoup, hein. Eh, écoutez, les gars. Ah, moi, je suis allergique, je suis fort asthmatique. Normalement, je ne supporte pas les tapis, je prends des médicaments à vie pour ça et tout. Mais comme c'est la routine, moi, je ne remarque pas ce qu'elle fait à la maison pour moi. À moins que le frère y rentre, et tu as raison, premier jour, deuxième, cinquième, ça pue à la maison, tout est mrouen. Là, je te comprends. Là, tu peux, et encore avec politesse, t'asseoir un peu avec elle, hein, ou bien même pas. Tu peux même faire le psychologue, tu prends un aspirateur, et puis tu regardes ta femme, tu fais, ah, subhanallah, un aspi. T'appuies le bouton, ah, regarde, il bouge. Et puis tu vas exprès une saleté, tu la ramasses, ah, subhanallah, regarde, tu rigoles, tu dis, ah, regarde. Puis après, en rigolant, tu dis, bah, c'est pour ça que je l'ai acheté, pour que de temps en temps, moi et toi, on. Et tu. Allez, essaye de trouver un. Ça, c'est dans les cas les plus extrêmes, où des fois, tu peux avoir une épouse mesquine, elle est gentille, mais. Voilà, elle a un caractère, elle a un peu de laisser aller. Ça ne veut pas dire que tu dois divorcer. Là. Essaye d'être le souriant que tu étais il y a 20 ans, là. Trouve un petit. Après, troisième solution, quand vraiment ça ne va pas. Là, on a dit de nouveau, vous revenez au plan que j'ai cité tout à l'heure. On discute, on met quelqu'un d'intermédiaire pour parler, et puis médiation, là où ça devient exagéré. On a eu des cas où il y a dû laisser aller à la maison catastrophique et autres. C'est la moindre des choses. Il faut de l'entraide, mais des fois aussi, il y a des personnes, il y a des sœurs qui peuvent penser que l'entraide, ça veut dire je fais rien jusqu'à ce que le mari vienne. Puis dès qu'il rentre du travail, eh, en islam, il faut s'aider. Hein. Yallah, zed, bismillah. Non, on a un juste milieu en islam. Lui, il trime à l'extérieur, il fait tout son possible pour qu'alhamdoulilah, à la fin du mois, il y ait un salaire. Et à ce moment-là, on vit bien. Et toi, tu fais tout ton possible pour qu'à l'intérieur, ça aille mieux et que tout continue à fonctionner comme il se doit. Il y a un juste milieu entre les deux. Et c'est ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est connu dans la sunna qu'il était au travail de sa famille. Il ne venait pas faire tout le temps des remarques ou autres. Il rentrait, il demandait à Aïcha, radiallahu anha, est-ce qu'il faut aider ? Et il était connu, wallahi, reconnu qu'il cousait aussi ces petits endroits qui déchiraient, ou le cuir, les sandales. Il allait même aider les vieilles personnes, il allait traire les bêtes. C'est vrai ou pas, Shabab ? C'est des réalités. Non, il ne faut pas qu'il y ait l'exagération, que ce soit de la part des femmes ou de la part des hommes. Et ça ne veut pas dire qu'un homme, parce qu'il travaille à l'extérieur, il ne doit pas aider à la maison. Le prophète, ça, c'est, mais est-ce qu'on est mieux que lui ? Billah alaykoum, Shabab. Là. Mais il y a un juste milieu. Il y a travail et travail. Quelqu'un mesquine qui passe toute la journée dans le bâtiment à éclater des murs. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui passe la journée tranquille où il archive quelques petites feuilles au bureau ? Ça, il y a sûrement peut-être des frères parmi vous qui travaillent en bureautique. Des petites archives, un petit café à 10 heures, une petite pause à midi, une quatrième pause à 13 heures, une quinzième pause à 22 heures. Tranquille, le gars il a un travail. Est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité celui-là et l'autre qui casse des murs depuis 5 heures du matin ? Là je dirais à l'épouse, crains Allah. Ne viens pas rajouter un poids à celui-là pour l'instant. Laisse-le d'abord respirer, kada, ceci, cela. Et s'il craint Allah, lui-même viendra. Même à 22 heures, il dira ce que je peux t'aider. Vous voyez, Shabab, la vie de couple, comment est-ce qu'elle est? C'est pas une vie de calcul. Les couples qui se mettent à calculer, wallah, ils vont pas loin. Un couple, c'est quelqu'un de mature. C'est la maturité, l'aqal. Et c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ni moi je t'arnaque, ni toi tu m'arnaques. Hey. Un exemple, je quitte souvent la maison le week-end, le samedi, des fois des 4-5 heures du matin pour prendre l'avion, je rentre de conférence que le dimanche soir. Parce que là, ma femme, elle connaît mon système, elle voit les conférences, elle voit des fois le nombre d'heures, elle voit. T'imagines, je vais rentrer de l'avion à 22 heures, elle va m'attendre avec une serpillière devant la porte. Salam alaikum, ma chère. Et Allah, bismillah. Elle met en pratique la sunna. Alors, vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Donc il y en a qui jouent avec le feu aussi. L'homme qui rentre et qui dit non, moi j'ai déjà fait 8 heures. Mahdoum 8 heures. Si je t'ai sorti 7 heures de travail, je t'aurais rajouté une heure, ouais. Sinon je suis taxé. Il y en a qui font ça, ils calculent. C'est pas bon.
Une vraie vie de couple, c'est un juste milieu. Et c'est dommage, hein, parce que c'est une des raisons de crise, hein, ce dernier temps dans les couples. C'est qu'on on sous-estime le travail de l'autre. Wallahi, ya shabab, avoir un enfant, c'est pas facile. Je vous le dis, pour le saraha. C'est pas facile les premières semaines. En tant que mère, nous, on a oublié nos mères, parce que c'est normal que nous oublions, on était bébés, nous. À part quand on a vu nos autres petits frères naître. Ad, on a vu la difficulté. C'est pas facile. Et les hommes, ils doivent savoir, chaque femme est différente dans la manière d'avoir des enfants. Wallahi, c'est pas la même chose. Tu peux avoir des femmes qui accouchent lundi, mardi, elle est déjà debout. Et t'en as d'autres qui peuvent accoucher lundi, et après un mois, parce qu'il a là encore des séquelles. Il y a encore des problèmes. C'est là qu'on voit la maturité de chacun dans le couple. C'est là qu'on voit la communication, le dialogue. Et on parle et on voit au kada. Et ça ne doit pas être une cause, ni pour abaisser l'un ou l'autre, ni pour, des fois, casser la vie de couple, alors que vous avez remarqué, subhanallah, c'est un plaisir d'avoir un enfant yak. Mais là, ça devient même plus un plaisir. C'est vrai, hein, quand tu décortiques les questions. Ça devient même plus un plaisir. Là, il y a un bébé qui est là, mais ils sont en guerre. Là, vous avez remarqué comment Shaitan Allah, il entre, les portes, comment il les trouve. Il faut faire attention. Quelqu'un d'autre nous dit, eh, voilà, de nouveau, ah, les sœurs, ils vont se lâcher aujourd'hui. Hein. Mon mari est souvent avec ses potes. Comment lui faire comprendre que sa place est avec sa famille et de temps en temps, il peut le voir ses amis. C'est vrai ou pas? Wallah que c'est la vérité. Moi, dans mon métier en tant que prédicateur, j'ai des invitations tous les 4 minutes 30. Wallah, je peux vous les lire maintenant. Hein. J'en ai reçu tout à l'heure, ça sonnait 3 fois. Salam cher, invité ce soir à 21h. Salam cher. Wallah, partout, même d'Annecy. Il y en a un hier, il a appris que j'étais ici. Il m'a déjà invité à son mariage ce soir. Je lui dis là, je suis venu avec ma femme aujourd'hui. Il n'y a pas de soirée, il n'y a pas rien. Même cher Zaoula Benge qui m'a invité avec les frères, quand il m'a appelé, je dis il n'y a rien. Il n'y a pas. Alaj, c'est comme ça la vie de couple. T'es marié à ton épouse, pas à tes potes. Tes potes, c'est entre un match, toi la mi-temps. Ça, c'est tes potes, c'est au milieu. Ça veut dire qu'on doit leur trouver un trou. Ta vraie vie, c'est avec ta femme et tes enfants. Et spécialement les premières années à Shabab. C'est là qu'on va bâtir le ciment du couple. Et c'est là que beaucoup de jeunes font des erreurs. Il continue à garder le même programme qu'il avait avant de se marier. C'est pas bon. Ou si les femmes, doivent pas exagérer. Les hommes doivent pas exagérer. Les femmes doivent pas exagérer. C'est-à-dire, il faut pas lui interdire qu'il doit voir personne. C'est impossible et c'est même pas demandé ni faisable. Et c'est le contraire de la sunna aussi. Il faut rencontrer les compagnons. Les compagnons se rencontraient aussi. C'est pas ça le problème. Vous savez très bien que c'est pas là le problème. Le problème, c'est le juste milieu. Nous, on a toujours tendance à exagérer les choses. Là, l'islam nous a appris le juste milieu. Il y a des soirées que vous devez bloquer pour votre famille. Attention, hein, il y a des sœurs qui mettent ça, des frères, il se peut qu'ils l'ont mis aussi. Il y a des sœurs aussi, lundi fitness, mardi cousine, mercredi ma mère, jeudi le cours de je sais pas quoi, vendredi le cours de Taïwan. Et le dimanche à 23h, mon mari. Et encore top chrono. À l'âge, parce qu'à cause des entraînements de la semaine, il faut dormir à 23h30. Eh, Audi, il n'y a pas. On en a à Bruxelles. Peut-être chez vous, c'est plus calme à cause de la montagne, l'air et tout. Chez nous, là-bas, non. L'apparition des salles tous les 20 mètres, il y en a une, salle halal, comme vous le savez. Il y a des sœurs maintenant chez nous, là-bas à Bruxelles, taekwondo, kickboxing, elles te pètent, Allah l'adim. 5 entraînements semaine. Wallah, je vous parle sérieux, ça part du kickboxing, taekwondo, à truc brésilien qui saute là. Hein? Capoeira, Wallah, capoeira pour sœur halal. Moi, je me suis marié avec une femme, avec une girouette. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait poépoéra là? Il nous a tourné devant moi. Wacha, c'est pas interdit, alhamdoulilah, c'est bien, c'est entre sœurs. C'est pas interdit. Mais calme. On a dit tout à l'heure, hein, il faut un juste milieu. C'est toujours l'excès, on ne sait pas. Donc c'est important, Allah rda alikoum. Le frère doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une fierté à Shabab, au fait. Si le frère, il est parmi nous, c'est une fierté d'avoir une épouse qui veut que tu sois à côté d'elle. C'est qu'elle tient à toi. L'inverse, c'est qu'elle n'aurait jamais dit ça. Et au plus t'es loin, au mieux c'est. Ah, dégage, va. Je vais chez mes copains, pars.
Ah, demande-leur si moi que tu dors chez eux ce soir. Pareil à la peste. Non, alhamdoulilah, elle tient à toi. C'est une fierté. C'est vrai ou pas? Wallah que c'est une fierté. Ça prouve que elle veut que tu sois à côté d'elle. Nous, on est en train de rafistoler ceux qui ne veulent pas se retrouver à côté de l'autre. Lard alikoum. Je ne peux pas avoir d'enfant, c'est une souffrance pour moi. Je voudrais adopter, mais mon mari est contre, que dois-je faire? D'abord, l'invocation. Ne dites jamais que c'est fini. Wallah al-Adim, ne dites jamais. Il y a des cas où, c'est vrai, on voit côté médecine, par exemple, genre, c'est fini, il n'y a plus d'ovaire, il n'y a plus de... Ça, c'est des situations très... Amma, ne dites jamais le mot jamais. Je l'ai eu même dans ma famille, mon propre oncle. On lui a dit fini, rien. Les gosses, vous oubliez, monsieur. Vous oubliez. 15 ans de mariage, il y a... Top. Deux maintenant. Allah l'a dit, deux. Ça, c'est mon oncle, comme ça, quelqu'un ne va pas dire des histoires de... Ça, c'est mon propre oncle. Allah, il rigole. Chaque fois que quelqu'un lui dit ça, il rigole, il dit arrêtez. Tous les hôpitaux à Bruxelles, hein, tous. Monsieur, il ne faut pas. Il ne faut même pas rêver, monsieur. C'est fini. Wallahi, deux gosses, il a maintenant. Koun fayakoun. Invoquer. Et c'est vrai, ce que je pourrais dire au mari, mais je ne sais pas s'il est là, hein, s'il m'entend, c'est, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, en créant la femme, il lui a donné quelque chose qu'il n'a pas nécessairement donné à l'homme. C'est le fait de materner, de porter un enfant. Nous, les hommes, on ne sait pas ce que c'est. Wallah al-Adim, on ne sait pas ce que c'est. Amma chez une femme, c'est un besoin qui vient. Subhanallah, à un certain moment, il vient. Jeudi, j'avais réunion à Paris avec différents prédicateurs. C'était sur le célibat. On a un gros problème ces derniers temps. Il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se marier. Ils ne trouvent pas parce qu'ils ne savent pas à qui parler ni comment. La communauté s'est agrandie. Spécialement à Paris, c'est catastrophique. Eh bien, subhanallah, on parlait d'un groupe qui justement voudrait se marier et les parents y bloquent. Et la sœur, elle arrive, elle a 28 ans et les parents y bloquent toujours. Et qu'est-ce qu'elle te met dans le mail? Je veux avoir des enfants, je veux un mari, je veux avoir des enfants. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donnée aux femmes de materner, de porter l'enfant. Et des fois, chez une femme, c'est encore plus fort qu'une autre. Et là, je demanderai au mari, Allah yajzeh bikhair, d'essayer, c'est pour ça que je dis d'essayer, de comprendre d'abord son épouse, d'ouvrir la porte du dialogue, de ne pas tout simplement dire non, parce que pour l'homme, c'est facile d'une certaine manière. Ne croyez pas que cet homme, il n'a pas de problème. Non, parce qu'il se peut que lui-même, il a envie. Alors on a dit, l'envie n'est pas la même. Tout homme normal a envie aussi d'avoir un enfant, de laisser quelqu'un. C'est pour cela, je dirais à ce frère, essayez, ne fût-ce que de lancer le dialogue. Ne ferme pas la porte tout simplement. Discute. Dis vraiment ce que tu penses. J'ai déjà eu des couples comme ça qui sont venus chez moi. Des fois, le mari te dit, moi, je ne suis pas prêt à éduquer l'enfant d'un autre. Mais il n'est pas au courant de certains textes dans la sunna. C'est que le prophète, à ce moment, montrant ses doigts, il a montré la proximité des doigts, vous savez, de qui est qui? De lui, donc le prophète, aslam, et celui qui s'occupe et qui adopte un orphelin, kahatayn, c'est-à-dire comme les deux doigts de la main le jour du jugement dernier. S'occuper d'un orphelin, c'est immense. C'est un bénéfice, wallahi, immense, vous ne pouvez pas imaginer. Eh wallahi, alors j'ai dû parler avec le frère par rapport à ces sujets-là. Ça a pris des mois, hein, ne vous croyez pas en deux secondes. Non, des mois et des mois. Et après, jazaoullah, il a accepté. Un autre que je connais personnellement, de notre quartier. Il a accepté, maintenant, wallah, ça fait des années qu'on est voisins, plus d'une quinzaine d'années. Il a pris bébé, maintenant la fille, elle a 15 ans. Et parce que quand des fois je taquine, j'y fais, ouais, il me dit, ah, wallah, et il apprend ce qu'il me dit, c'est ma fille. On sait très bien, il y a toutes des règles dans l'adoption, kada, bébé, comment, il y a toutes des choses, subhanallah. On sait très bien, il ne va pas donner le nom de famille, sauf quand il y a la loi qui l'oblige, alors il faut un testament qui explique. Moi, ça, c'est une autre discussion. Mais voilà, il ne faut pas fermer la porte tout simplement. Voilà. C'est souvent comme ça. Mais je suis marié depuis 8 ans, et ça fait 5 ans que mon mari me fait souffrir. Il ne prend pas soin de moi, me délaisse. J'essaie de patienter, mais je n'en peux plus. Que me conseillez-vous? Vous voyez? Combien il y en a comme ça? C'est pour ça que j'ai mis certains à côté, parce que c'est les mêmes.
C'est une grosse crise ces derniers temps, Wallah al-Adim. Wallah, les chaveurs, c'est une réalité. Alors il faudrait voir. Je ne juge pas les hommes, je suis un homme. Et même si une sœur écrit ça, est-ce que vous pensez que ça veut dire que c'est automatiquement le mari qui a tort? Non, il se peut que quand tu vas écouter le mari, écoutez-moi bien, c'est pour ça que quand on répond à des questions, il faut toujours faire attention. Il se peut que le mari va te dire, mais cher frère, je n'ai pas osé lui dire telle et telle chose, parce qu'en vérité, voilà ce qu'elle fait, ça, 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 et ça ne me pousse pas à aller vers elle, par exemple. On n'est pas là pour juger l'un ou l'autre. C'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de ce genre de questions, et j'ai passé ma vie à faire ça. Mais côté pourcent, on a beaucoup plus de plaintes côté sœur que côté frère. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais nous les hommes, on est patients, on ne parle pas. On aime souffrir en silence. Les combattants de la terre. Ah, ça se peut. Pas juger. Il y en a plein qui souffrent ici. Mais on ne dirait pas. Vous avez l'air très... Mais bon, vous m'avez compris. On a des situations, les chabab, qui font que Allah rda alikoum, et si la sœur m'entend, c'est les mêmes réponses que l'affaire des conflits. Soit vous essayez de le déclencher. Essayez de revoir le côté intime entre vous et lui, privé à la maison. Voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir d'une certaine routine avec lui, étant donné qu'il vous a peut-être énervé, qu'il vous a lâché depuis quelques temps, comme on dit. Essayez de refaire, revivre cette petite flamme entre vous. Si vous testez, que même ça vous me dites, il n'y a pas moyen, là je vous ai dit, alors à ce moment-là, lancez le dialogue un peu plus sec avec lui pour lui faire comprendre, voilà, je ne peux pas continuer de cette manière, qu'est-ce que tu proposes? Dis-moi ce qui se passe. S'il y a quelque chose à corriger, ne lui lancez pas la balle en disant que c'est lui qui est en tort, entre guillemets. Faites d'abord comprendre, c'est une parenthèse. Tiens, est-ce que j'ai fait peut-être une erreur, quelque chose? Qu'est-ce que tu voudrais que je change, que je n'ai peut-être pas remarqué? Qu'est-ce qui manque? Et là, vous voyez. Vous voyez cette question-là? Une fois, vous savez ce qu'un frère m'a dit? Wallah, c'est très simple. Ça va vous étonner. Ça, c'est tout un métier. Hein. Une fois, un frère m'a dit, j'ai rien contre elle. Wallah, j'ai rien contre elle. Mais c'est un mariage forcé. Et elle ne le sait pas. C'est mes parents qui m'ont obligé de la prendre. Mais moi, je ne la veux pas. Elle l'a pris qu'après des années. Pourquoi tu ne me l'as pas dit au début? Non, c'est nous, à la famille, c'est la honte. C'est tout. Moi, je t'ai prise jusqu'à la mort. Ça passe ou ça casse. Au revoir. Ça, j'ai eu devant moi. Elle l'a pris qu'après des années. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faudrait le pousser pour que au moins il vous dise qu'est-ce qui se passe réellement. Donc on ne peut pas juger, hein, ni l'un ni l'autre, ni dire c'est le mari qui est en tort, ou c'est la femme qui est en tort, ou ceci ou cela. Il faut obligatoirement les écouter tous les deux. C'est comme ça. Il faut les écouter tous les deux. Parce qu'il y a peut-être un détail qui fait que. D'accord, ça c'est important, Allah radhalikoum. Et je vous ai dit alors à ce moment-là, soit vous essayez de changer des petites choses à la maison, vous essayez de reprendre absolument la communication d'une autre manière, ça ne va pas, on a dit alors, intermédiaire privé, intermédiaire à ce moment-là, ça ne marche pas, de la famille. Mais vous savez que vous allez alors à ce moment-là, soit si c'est quelqu'un qui craint Allah, il y en a qui dès qu'ils arrivent devant la famille, c'est-à-dire les parents, ils se réveillent. On a déjà eu ça, ils se réveillent. Et il y en a d'autres, pour eux c'est la honte. Ils disent, t'as parlé à mes parents? Ou tu veux parler à mes parents? Je divorce. C'est honteux. C'est honteux, haram, Allah, c'est honteux. Mais voilà, il faut s'attendre à ça. Et beaucoup d'hommes n'aiment pas ça. Je vous le dis honnêtement, parce que c'est mon métier, je l'ai vu toute ma vie. Les hommes n'aiment pas dès que tu leur dis on va parler aux parents, ou bien un médiateur, il dit je vais aller raconter ma vie à un type. Oh, t'es mieux que les compagnons? Handallah radiallahu anhu, il se sent hypocrite, subhanallah. Et il le dit à Abu Bakr radiallahu anhu. Et ils vont tous les deux en parler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait des femmes qui venaient parler de leurs problèmes de couple au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça prouve qu'on a le droit d'en parler à quelqu'un de privé qui s'occupe de ça. Pas aller parler de l'intimité dans le vide. Haram. C'est une mousseba. Tu encours la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? C'est ça l'islam. C'est ça la fraternité. C'est ça l'entraide. Ta'awanu ala al-birri wa taqwa. On doit s'entraider, comme l'a dit Allah, subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qui est le bien, la crainte, la piété. Wa la ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan. À ma s'entraider pour tout ce qui est mal au lait, là, ça on peut pas. Donc on doit s'entraider, on doit en parler. Alors si on va pas parler à la fin aux parents et aux traqués, on va parler. Et beaucoup de sœurs n'ont personne à leur à qui parler. Le mari menace, dit Wallah, tu parles à quelqu'un, je divorce. Mais non, s'il vous plaît. On doit sortir de cela. On fait quoi alors? On vit comme dans une prison. Vous comprenez pourquoi maintenant les jeunes ils divorcent comme cacahuètes là? Ils rigolent, Wallah, ils divorcent en deux secondes. Parce qu'ils disent, ben, il m'a quand même fermé la porte. Salam alaikum, je pars.
C'est incroyable le système de divorce qu'il y a aujourd'hui chez les nouveaux couples. Et j'en reçois qui sont mariés une semaine. C'est, wallah, des fois, quand je dis au téléphone, et vous êtes mariés depuis combien de temps? Avec ce qu'ils racontent, je me dis qu'ils sont mariés depuis 10 ans, 15 ans. Ils me disent une semaine. Je dis, vous avez vécu tout ça une semaine. Vous dormez à quelle heure? À quelle heure vous avez dormi alors? C'est une semaine de vie de couple, vous avez fait tout ça. Il me dit, wallah, une semaine. Toute la journée de Debza, toute la journée de dispute. Où est l'islam là-dedans? On doit sortir de cela, yashadab, wallah. Est-ce que la mère a le droit de s'opposer à un mariage? Ça aussi, il faut toujours voir le pourquoi. On sait qu'en islam, c'est le père qui va marier la fille. Sinon, en islam, le tuteur al-wali, c'est le père. C'est pas la mère qui marie. Même si ça ne plaît pas à certains, c'est comme ça, c'est de la religion, c'est pas Haddash qui l'a dit. Hein. C'est la religion, c'est le père le tuteur. Mais si la mère elle est au courant d'une information, des choses comme ça, non, elle a le droit, elle doit, pas qu'elle a le droit, elle est obligée. Elle dit au père, elle dit, non, c'est ce garçon-là, je suis au courant, Kada, ceci, cela, je ne veux pas, je ne prends pas la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? À m'a s'opposé, comme on le voit aujourd'hui des fois, dans une grosse majorité, on s'oppose au mariage à cause de nationalité, couleur, ceci, cela. C'est un autre sujet, ça. Vous savez très bien de quoi je parle. Ça, c'est un autre problème. Et donc, chère sœur, c'est le père. Il faut bouger le père. C'est lui qui prend la responsabilité de dire oui ou non. Et encore, quand il dit non, ça doit être religieux. On ne bloque pas un mariage dans le vide. Comment tu veux l'enfant que tu aimes, tu veux le détruire en le jetant dans un endroit que tu sais qu'il ne veut pas? Je dis bien quand il n'y a pas de problème de religion. Hein. C'est juste parce que comme ça, j'aime pas sa tête. Il y en a qui me l'ont dit à la mosquée, hein. Des pères, ils me disent j'aime pas sa tête. Ah, mes yeux. Qu'est-ce que tu veux qu'on le retape, Aoula, comme ça, subhanallah. Là, je sais pas. C'est... On a des gens comme ça, ils parlent bizarrement, ils te font non, ça ne passe pas. Je... Dire, si tu arrives à te marier, tu as eu de la chance, purée. C'est que ce jour-là, il n'y avait pas ce. C'est... Quand vous réfléchissez un peu, c'est... des fois, ce métier, il est bien, la da'wah, elle est toujours bien, mais tu vois les maladies qu'il y a à l'intérieur de la communauté, que des fois, entre nous, on ne voit pas nécessairement. On croit que tout est rose. Il y a des erreurs graves qui sont commises. Encore une autre, la même chose. Quel est le statut pour une mère refusant une fille par rapport à l'origine? Voilà, vous voyez, ça revient très souvent. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, simple détail, le dernier sermon avant de mourir, vous rappelez quand il a fait au pèlerinage, la 11e année de l'Égypte, il a laissé un sermon, allez le voir ce soir sur Internet. Vous savez, tout un passage sur les races, tout un passage, interdiction du racisme. Il y a 1400 ans, les derniers vendeurs d'esclaves noirs, ils ont à peine signé un traité en 1887, je crois. Ça, oulala, c'est les dernières ventes d'esclaves noirs, Sierra Leone et compagnie. Wallah, 1887. Il y a 1400 ans, Bilal radiallahu anhu, grand combattant et un des plus beaux métiers, il est le mu'addin de qui? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Et il leur explique ça dans le sermon d'adieu. Pas de différence de couleur, ni de race. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah, celui-là qui a ce degré, ce niveau très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui a un degré de piété. Ni l'argent, ni la couleur, ni la nationalité, ni la race, ni quoi que ce soit. Là, mais que voulez-vous, alhamdoulilah. Il y en a qui demandent de réécouter un peu la conférence après. Hein, les frères, ils l'ont enregistré. Il y a des questions qui reprennent justement tout le rappel qu'on a fait. Voilà, qu'il y a des divorces, qu'il y a les jeunes, ceci, cela, manque de foi, manque de maturité. Quels conseils? Réécouter un tout petit peu.
hein, Inch'Allah, parce que ça reprend un petit peu. Est-ce que le mariage avec des cultures différentes est-il dangereux? Il n'est pas dangereux si on est au courant de comment fonctionne la culture de l'autre. Moi, une fois, une Belge reconvertie est venue chez moi au bureau. Elle m'a dit, monsieur, moi, je vais divorcer. Et pourquoi? Elle m'a dit, j'en peux plus. Je suis marié avec un maghrébin. Il va me rendre folle. Pourquoi? Elle m'a dit, mercredi, c'est ses frères et sœurs qui viennent manger. Jeudi, on va chez les beaux-parents. Vendredi, c'est le Jumu'ah, c'est le couscous. Réunion familiale, Qallek, c'est une sunna depuis 32 ans. Samedi, mariage, elle m'a dit, il y a toutes les semaines un cousin qui se marie. Ils sont 500. Je ne sais pas comment ils font. Elle m'a dit, et comme vous le savez, si le mariage commence samedi, il se termine lundi matin. Elle m'a dit, ça fait 4 ans que je suis marié, wallah, je suis fatigué. J'en peux plus. Et effectivement, quand je lui ai demandé, parlez-moi de votre vie, fille unique, avec ses parents, à la maison, un petit chien, Tony, une petite perruche, coucou. Yac. Vie très, très, très paisible. À tout casser, t'as la perruche qui crie deux fois par jour pour te dire j'ai faim. Là, c'est vraiment un de ces cris de la mort. Et le chien, aou, aou, quoi. Là, les parents, ils le prennent, ils sortent dehors, ils font un tour, ils reviennent. Et une fois par an, dès que la petite Noël, là, il y a 3-4 qui viennent à la maison. Alors que c'est la fête du siècle. Voilà. Et du jour au lendemain, elle se retrouve avec une caserne militaire, 500. Les frères africains, la même chose. Wallah, j'ai eu un frère, un reconverti, un Belge, marié avec une sœur africaine. Il m'a dit, mon frère, au début, c'était bien. Mais ils sont bourrés de tradition. Il y a la fête de ceci, il y a la fête de cela. Et il m'a dit en plus, ils m'ont éclaté les os. Je dis, pourquoi? Wallah, il rigole avec moi, parce qu'il dit, pourquoi? Il m'a dit, chaque fois qu'il y en a une qui vient, oh, mais qu'il est bien, mais qu'il est bien. Le deuxième, elle vient, mais qui est le troisième, le cinquième, il m'a dit, m'ont tué. Pourquoi ils touchent? J'ai dit, nous, les Africains, on est très proches. On aime bien le contact. C'est vrai ou pas? Donc, les cultures différentes, on n'imagine pas. Pour ça, des jeunes, des fois, ils se fâchent très vite. Par exemple, mariage marocain, turc. Il y en a plein qui disent, des fois, ils veulent pas. Mais c'est normal. Il y a des savants qui en ont parlé. Wallah, ils ont pas dit haram ou halal ou ceci ou cela. Ils ont dit, attention, des fois, la culture, elle peut jouer. C'est vrai ou pas? On n'a pas les mêmes cultures. Et tu peux pas, une fois marié, zapper la culture de l'autre et dire non, elle n'existe plus. Non ceci, non ceci. Il y a des jeunes, ils font une grosse erreur. Ils mélangent entre religion et tradition et culture. Ils croient que c'est pas compatible ou bien quand tu es un musulman, un mec qui pratique, la tradition, ça n'existe plus. Non? On a plein de traditions halal. Qui vous a dit ça? Même en Arabie. Même l'Arabie où c'est rempli de savants, tout ce que tu veux. Ils ont plein de cultures et de traditions. Tout pays a une culture, une tradition, une histoire. Et tu ne peux pas zapper tout ça parce que toi, par exemple, l'homme, tu te maries avec une personne de telle et telle origine, tu vas l'obliger à zapper toutes ces traditions. Tu ne peux pas. Tu vas tuer cette personne. Wallahi, tu tues l'âme de cette personne. Le Turc, il a ses traditions. Le Maghrébin, l'Africain, l'Européen, il a aussi ses traditions. Je suis passé à Annecy, puré dans un petit couloir. J'allais tomber dans les pommes. Cher, il m'a fait la blague, où est-ce qu'il est ce rat? Il est où, cher? Il m'a dit qu'il était là. Il s'est couché, c'est lui. Wallah, il m'a fait des problèmes à l'aéroport l'année passée, il y a 2 ans, contrôle de police. Vous savez pourquoi? Qu'Allah te guide, frère, Wallah, j'ai oublié de te le dire. Il est venu, il m'a fait, cher, je t'ai fait un de ces cadeaux de dingue. Un fromage, le luxe du luxe, chez nous. Mais je vois 4 emballages, je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, autant d'emballages, il me fait, quand t'arrives, tu ouvres. Rappelle-moi ce nom de fou, le Rob. Rob Lochon, Aoudou Billah, Wallah. J'arrive ici à la douane, il voit plein de paquets, il me fait, qu'est-ce qu'il y a là? Je dis, écoutez, c'est un ami, il m'a offert. Je vais pas mentir, je vais pas commencer à baratiner, c'est la douane, il y a la vérité. Je dis, je sais pas exactement. Il m'a dit, c'est des spécialités d'ici. Eh ben, c'est bien quand t'es barbu déjà, t'arrives à la douane, hein, spécialité d'ici. Ils m'ont dit, ouvre. Wallah, j'étais gêné à la place des... À peine ils ont ouvert, c'est bon. Eh bien, Wallah, je suis resté scotché. Wallah, je suis resté debout. L'odeur, elle m'a pris là. Je dis, Allahu Akbar. Je pensais à ce tueur. Ça y est, ben, t'imagines-toi maintenant un type là qui vient de Bruxelles, il se marie avec une de Roblochon d'ici. Et que le soir, elle vient toute fière, elle lui dépose une raclette de Roblochon.
Mais elle va être étonnée qu'il va courir. Mais il ne rentre plus à la maison. C'est une horreur. J'ai senti ça encore tout à l'heure. Il m'a rappelé cher. Je l'ai dit à ma femme. J'ai dit, tu te rappelles le frère? Je dis, c'est cette odeur-là. Wallah, et mon épouse, elle m'a dit, avance, accélère, accélère. Ici à Annecy, là où il y a le canal, là. A'oudhou billah, l'odeur. Et vois ce qui paraît le matin, tranquille, par. Alors, ça joue ou pas? Va offrir du reblochon à un type de Bruxelles. Il va te tuer. Jamais il parle. C'est un meurtre, les frères. C'est un meurtre halal. Donc, l'ardalikoum. Culture, ça joue aussi beaucoup. C'est important. Et dernière petite question. Il y a beaucoup, mais des fois, comme vous le savez, ça se répète. Ça aussi, hein, ça c'est une question sur l'entraide. La même chose. Je suis une jeune maman, des enfants en bas âge, les âges rapprochés. À la maison, les enfants sont très excités, ce qui me met sous pression constante et je m'énerve et je crie tout le temps, ce qui se répercute sur mon couple aussi. Comment me calmer et mieux gérer ce stress, cette colère? Alhamdoulilah, les gens ils posent au moins la question. Quand on a les enfants comme ça rapprochés, il faut de l'entraide des deux. Mais il faut obligatoirement, Allah alaikum, un programme où vous sortez de la maison de temps à autre. Il faut un programme. Avoir des enfants rapprochés, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que c'est rattaché aussi au caractère de la mère. Il y a des mères qui peuvent avoir des enfants rapprochés et tu trouves qu'il y a une ces zénitudes de dingue. J'ai des proches hein, de la famille où je vais des fois rendre visite et il y a plein de genoux. Et ni le père écrit, ni la mère, ils n'entendent rien du tout, ils sont à l'aise. Ça existe, c'est des caractères. Et il y a des gens, subhanallah, dès que ça commence à crier à gauche, à droite, le stress, il se met en marche, et puis la personne se met des fois alors en colère, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle la gestion du stress. Bon, nous, à Bruxelles, je ne sais pas vous ici, mais à Bruxelles, par exemple, on a des activités des fois entre sœurs. Des fois le matin ou l'après-midi, ils ont des petites activités entre sœurs. Voyez si vous avez quelque chose ici. Ça serait bien, subhanallah, d'avoir un petit pôle, que ce soit à la mosquée ou hein, une association, un petit pôle rencontre, où les enfants, comme maintenant, par exemple, ils pourraient venir et courir dans la mosquée tranquillement. Vous voyez, depuis tout à l'heure, il y a des enfants qui rigolent et qui jouent, c'est vrai ou pas? À certaines mosquées, tu fais ça, ils te l'éjectent par les trois fenêtres, hein. Advoc des corps qui sautent. Eh non, c'est une réalité, à Shabab. Mais ils vont aller où, ces petits-enfants? Si tu as des enfants qui sont en bas âge, ils sont toujours entre quatre murs à la maison. Et le mari travaille toute la journée et il rentre. On est fatigué lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche, on fait quoi? Le programme doit un peu changer. Il n'y a pas le choix, wallahi. Il faut trouver un programme, chère sœur. Et il faut essayer de trouver aussi des moments où vous vous donnez du repos. C'est obligatoire. Je sais qu'on nous dit, ouais, mais le travail s'accumule, ceci, cela. Là, il faut trouver un juste milieu. Des fois, il vaut mieux que certaines petites choses, entre guillemets, s'accumulent et que vous les programmiez d'une autre manière, que de rester dans ce stress constant. Et des fois, si vous ne parlez pas, le mari ne va pas comprendre. C'est pour ça qu'il est important des fois le soir, et spécialement profiter de la région dans laquelle vous... Wallah, ya shabab, les savants le disent. Des fois, quand on est dans un bienfait pendant des années, on ne le remarque pas. Nous, moi je vous le dis, vous avez un bienfait immense ici. Wallah al-adim. Moi je viens de Bruxelles, la capitale, vous savez ce que c'est. C'est comme si vous parliez à un Parisien. C'est de la folie, nous. Rien que ce matin, regardez, c'est tellement beau, je suis sorti à 8 heures, on est rentré qu'à 4 heures. À combien d'heures? Ça, on n'a pas ça. Nous, on paye pour voir ça. Wallahi, ça, on n'a pas. Et j'ai vu, il y a des endroits où tu peux stationner au bord, mais t'as 8 kilomètres de jardin, purée, lâche ces gosses. Eh, na'am, wallahi, lâche. Nous, les gens de la ville, on n'a pas ça. Et vous savez très bien, nous, on n'a pas ça. Nous, chez nous, à Bruxelles, il faut faire des kilomètres pour avoir une petite forêt, encore. Ça est très bien. C'est rempli d'interdits. Pas de passage. Oh, pas de passer où? Si on veut aller aux Ardennes, on doit faire 120 kilomètres, nous. Et les Ardennes, par rapport à vos montagnes, wallah, c'est des petites collines, nous. Wallah, quand je vois nos montagnes chez nous qui me paraissaient immenses, c'est des collines par rapport à vous. C'est des bulles. Wallah, que c'est des bulles. Vous avez une ni'ma incroyable. Un tour dans les parcs et tu vas voir, tes gosses, ils ne vont pas être crevés dans une heure. Ah, je ne vous parle même pas de vos enfants, il se peut qu'il y ait dedans, où il y a différents caractères, il y a des enfants qui sont très speed, il y a des enfants, il y a plein de choses. On ne peut pas les laisser comme ça.
fermés ou renfermés comme ça entre eux. Et des fois, même le soir, on rentre. C'est ça la vie de couple, c'est ça être parent. Des fois, on peut rentrer le soir, on est fatigué. Allez, on met dans la voiture. C'est ça ton investissement en tant que père. Wallah, c'est ta vie. Mets dans la voiture. Nous, les meilleurs souvenirs qu'on a gardés, mon père a fait mesquine toute sa vie le bâtiment. Les faux plafonds. Tout ça, c'est sa vie, lui, les plafonds. Et wallah, des fois, il rentrait fatigué et il prend les vélos dans la camionnette et il nous prend sur une aire de parking. Et Allah fait des tours de vélo. Et on le voyait crever, hein. Maintenant, Mskin, regarde, tout vieux, invoquer Allah pour lui, il a le cancer, Mskin. Hein, il est fort malade. Mais ils ont passé toute leur vie. Wallah, j'ai vu mes parents, qu'Allah les protège. Ma mère est déjà décédée, Allah rahma. Mais toute ma vie, je les ai vus, c'est rempli la voiture, va faire des tours. Prends une petite tagine, là. Wallah, des fois, il rentrait du travail. La casserole, elle est prête. Wallah, il dit à ma mère, Allah rahma, il dit, mets-la dans le coffre, on va aller la manger dans le parc. Tchou, subhanallah. Et nous, aujourd'hui, la technologie, les voitures blindées, ce que tu veux, et quoi? Sortez. À l'extérieur. Wallah, vous avez des endroits où, alhamdoulilah, il n'y a pas de monde, car on ne voit rien de mauvais. Sors, va. Et laisse-les respirer, laisse-les courir. C'est important, Allah rda alikoum. Et dernière question, puis on clôture, inshallah. Non, c'est ça que j'ai dit, j'ai fini. Ouais. Voilà. On va arrêter là, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblent, et puis des hyper, hyper hors questions. Et puis le temps aussi passe très vite par rapport au programme. Fa'Allah, je vous le redis une deuxième fois, c'était un plaisir hein, de vous revoir. Et le plaisir, il sera complet si on arrive à mettre en pratique un peu ces rappels. Et comme vous l'avez vu, alhamdoulilah, le musulman est capable de faire beaucoup de choses, la musulmane aussi. Il faut juste mettre un peu de courage, de volonté, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, il pourrait y avoir donc du bien. Aussi, avant de clôturer avec l'invocation, les frères vous demandent, l'arda alikoum, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne pas oublier les dons. Que ce soit déjà rien que les activités, la mosquée, les frais, les déplacements, les conférences, ceci, cela, il y a un tas de frais qui tournent à gauche, à droite. Et alhamdoulilah, c'est ce qui fait la beauté de cette communauté. C'est une communauté, alhamdoulilah, qui s'entraide. Et c'est une communauté qui ne compte pas. Et je vous l'ai dit, quand on voit la mosquée depuis d'année en année, comment est-ce qu'elle avance, et les autres activités, l'association aussi, Petit Pas qui m'a invité avec les frères ici, Emily Gulj de la mosquée, bah, mashallah, il y a un tas de choses qui se font. Hein, investissez, parce que vous retrouverez cela même plus tard pour vos enfants, Inch'Allah. Parce que la relève, tout ce qui se prépare maintenant, cette relève, wallah, c'est pour tous ces petits-là que l'on voit à gauche, à droite. On doit leur laisser quelque chose. Et ça, vous le savez très bien, il n'y a pas de subside de l'État, il y a un tas de choses qui n'y a pas. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, il y a donc les musulmans et musulmanes qui sont là et qui savent que c'est quelque chose qui est important dans leur vie. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna attiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna attiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu al-afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuun karim تحب العفو فاعف عنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله et il n'y aura plus de questions après. الله يحفظكم السلام عليكم ورحمة الله